Alors d'ailleurs, tiens, je te tiens au jus de ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. Parce que tu sais, du coup, j'avais pas sauvegardé, donc Oui. j'avais eu du retard. Oui. J'ai pu. Alors, avec grande difficulté, hein, c'est pour ça que j'ai commencé en retard ce soir, c'est que le jeu refusait obstinément de me redonner un Vigoroth. Ah ouais! Ah, j'ai passé une demi-heure avant de tomber dessus à farmer les mêmes herbes en boucle. Pour te dire, Kyugawa, qui était mon Pokémon secondaire, là, le Lamperrois, il est passé level 15, tellement j'ai tabassé de connards dans les hautes herbes, quoi. Ah ouais, d'accord. Et j'ai fini par en avoir un à un moment donné, je l'ai capturé, pas de bol, il a une nature qui est complètement claquée, enfin il est à chier des bulles. Mais je me suis dit, bon, ouais, c'est pas grave, tu sais quoi, de toute façon je pourrais jamais ravoir à l'exact identique celui que j'ai perdu la semaine dernière, donc Mais je crois que la nature de celui que t'avais eu, il était pas ouf, hein. Bah si, justement, il était avantagé sur l'attaque, de mémoire. Ah ouais? Ouais, Fais chier. Ce qui m'aurait bien aidé, parce que là, le mien actuellement, attends, je l'ai sous les yeux, là, il me dit quoi? Il me dit qu'il est... Il est up en def et nerf en attaque spé. Bon, que ce Oh, soit un nerf ça en va. attaque spé, je m'en fous pas mal, mais au Ça moins, va, ça ça touche pas l'attaque, quoi. va. Up en def, Bon, en vrai, c'est... ça va, hein. Bah, up en def, ouais, pour un Pokémon qui, à la base, se veut défensif, bon. Ah, bah. C'est son talent qui était moins fort de mémoire. Il a annul garde. Les capacités du Pokémon et de l'ennemi touchent à coup sûr. Il a surtout pas absentéisme quand il va évoluer. Oui, voilà, oui, c'était ça aussi, oui, voilà. En fait, c'était pas tellement Dans ce pas de qu'il talent. avait... Mais ce qu'il n'avait pas, finalement. Alors, et pareil, j'étais incapable, parce que, bon, j'aurais dû aller voir ma rediff, mais je vous avoue que j'avais la flemme. Je me souviens plus qui avait pris la place de Vigoroth, du coup, dans les personnes du chat. Donc, du coup, deux têtes, c'est Badcore qui m'est revenu en tête en premier, j'ai mis Badcore en... Ah ouais, Badcore, c'est un En... gros Vigoroth, quoi. Ah bah, écoute, ça tanque, hein, ça tanque fort, Vigoroth, hein, donc voilà, hein. Ah, mon entraîneur adjoint. Ouais, parce que Bat, c'est mon entraîneur adjoint dans Football Manager. Ah, d'accord. Ah oui, tu donnes aussi des. J'ai l'air si speed. Speed? Un Vigoroth? Speed? Alors, Vigoroth, oui, il est speed. Après, quand il évolue, il est moins speed. Après, il est tout chillax. Hein. Ouais. Salut Yaza. C'était pas une modo qu'il avait de mémoire. Non, c'était mon starter. C'était Ténéfix. J'avais un Ténéfix femelle. Et du coup, on a pris pour habitude de donner les noms des starters aux modos. Et du coup, c'est Oxyblaze du coup, qui a pris le nom du starter. C'était moi, mais j'étais trop OP pour le jeu. Oui, puis du coup, c'est là que ça a craché de partout. Et Robaka, j'ai distribué deux cartes jaunes et 16 exclusions de 2 minutes. On a donné 12 jeux de 7 mètres à l'aide. Ah oh, oui, d'accord, c'était full faute, quoi. Tant pour moi, le starter, alors. Oui, mais c'est pas grave, c'est En en gros, détail. Golden, le jeu, c'est genre en fait, on joue à Pokémon, normal. Sauf que mes Pokémon sont liés à ceux de Guy. Et si par exemple j'ai un Pokémon qui meurt, par exemple là tu vois, genre j'ai Warren, Rayfab, Bakassé, si Rayfab il meurt, eh bien le Ténéfix de Guy, qui est lié à Rayfab, il meurt aussi. Si en fait s'il tombe à 0 points de vie, on n'a plus le droit de les utiliser, c'est terminé. Et on doit finir le jeu comme Voilà. ça. C'est génial. Hein. J'avoue, Bud. C'est génial. Hein. C'est un grand plaisir. Le jeu, c'est crash ou pas crash, donc joue à crash, moi, d'écoute. MDR. Ta gueule ne porte pas la poisse. MDR. Non, mais j'espère juste que ouais, ça va se passer. Hein. De toute façon, je vous le dis sincèrement, j'ai pas envie de me battre avec OBS ce soir. Donc, si jamais il décide de faire chier, bah il fera chier. Mais c'est FF pour moi après. Voilà, Ouais, mais je ce pense sera. que faudra que tu refasses l'installation vraiment au propre, comme on t'avait dit déjà. Avec mon logiciel qui va te délaître tous les fichiers. Ouais. Mais c'est ça qui m'étonne, c'est pourquoi dans ce cas il y a que lorsque je lance certaines catégories de jeux que ça fait chier en fait. Genre c'est très souvent quand il y a des jeux émulés que ça saoule. Par contre la zik elle est giga forte en fait. Ouais, enfin, je te rappelle que ça a crashé en jeu chatting la dernière fois, hein. Oui, c'est pour ça que j'ai pas dit tout le temps, mais en grande majorité quoi. Donc je pense qu'en vrai c'est juste du hasard, hein. Ouais, moi je sais pas, moi des fois il se passe tellement de trucs improbables qu'au bout d'un moment le hasard je trouve qu'il a bon dos quoi. Donc je sais pas. Je te souhaite pas. Oui bah c'est pas à souhaiter non plus parce que bon il y a un moment. Y a bon, On aimerait t'aimerais bien la finir jouer? cette. On aimerait bien la finir cette bon dieu de série quoi. De toute façon pas de regret, la run sera vite sabotée par Kuro. Let's go, allez hop là. C'est qui que je dois ban là? C'est Orto, balance. Orto! T'apex un petit peu de ton côté ou pas? Ouais, vite fait, niveau 10. Niveau 10 Warren, niveau 10 Akaisei, niveau 12 Refab. Refab, c'était ton start, oui, de toute façon. Ouais! Ok. Alors, attends, je termine là, Refab a banni Orto! Salut, Lotus Prada. Ah, c'est vraiment. C'est vraiment pas une cartouche, quoi. Au secours.
À la base, elle était terminée, il n'était pas prévu de passer au jeu Pokémon sur DS. Bah oui, en fait, à l'origine, la série était terminée. Parce qu'on avait dit, non, les jeux, machin, on sait pas les randomiser, et puis on s'est dit, bon, bah tant pis. Et puis au final, bah... Ah mais, on a quelqu'un qui m'a trouvé comment randomiser... Putain, c'est comme les Fast and Furious, les Transformers. Laissez cette série mourir. Laissez-la mourir. Laissez-les où elles sont. On avait rigolé, on a profité, mais laissez-les où elles sont. Laissez-les tranquilles. À 100%, premièrement, ce sera de la faute de Kuro. Bah, on verra bien, on verra bien. Normalement, demain, je change de pseudo, je vais passer à Unlotus. Unlotus. Ah oui, Lotus Prada, Unlotus, d'accord. À la fin, les premières que vous avez trouvé de quoi random les Pokémon GameCube. Ouais, non, il y a un moment donné. Alors, faut peut-être pas déconner quand même. Hein. Ah, faut se calmer deux secondes. À un moment donné. Déjà, j'ai dit non pour randomiser Soleil et Lune. Hein, parce que j'en avais ras le cul. Hein, donc. De toute façon, on les a pas Soleil et Lune là. Non, j'ai dit non. Ah, voilà, très bien. Est-ce que là on a Rosa et après c'est quoi? C'est XY? Ouais, j'ai dit ok pour Rosa et XY, mais. Ultra Soleil, Ultra Lune et Lune et mon sbille, j'ai fait NEN. Vous remarquerez qu'elle a dit j'ai dit ok pour Pokémon Rosa XY sans me demander mon avis. Je n'ai jamais été consulté dans le projet. Mais moi non plus de base. Moi non plus de base. Aïe. On vit vraiment des moments. Hein. Et pourtant en 2023 on parle beaucoup de consentement, hein, mais là j'ai pas l'impression qu'on m'ait demandé le mien là. Putain. Alors, n'oubliez pas hein, de, en tout cas, faire des beats et de faire des subs chez Guy pour qu'il puisse avoir des chaussettes Twitch hein, à vous offrir. Et si jamais, et comme je l'ai dit, si jamais on monte level 11, ce qui n'arrivera pas, mais si jamais on monte level 11, j'amène la PS5 en main propre au vainqueur. Voilà. Si jamais on monte level 5 chez moi, je garde le plaid et je vous emmerde. Ah oui, mais ça, c'est déjà acté chez moi aussi, ça. Ça, c'est déjà acté aussi. Hein, hein quoi? Oui, parce que au level 11 du challenge Glitch XP de Twitch. Au level 11, c'est une PlayStation 5 numérique avec un PSVR 2 à gagner. Mais c'est très loin, hein, c'est très très loin, c'est très haut. Hein, c'est-à-dire, si tu t'appelles pas Antoine Daniel, Gotaga, Shisheyu, Mister MV, tu l'atteins pas ce palier, tu vois. Voilà. On avait fait un calcul, un bref calcul la dernière fois de combien c'était. Ouais. En termes de sub. Donc voilà, mais bref. Tout ça pour dire que... Je crois que c'était si quoi, 200 2000 subs. Ouais, je sais plus, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est un truc comme ça. Bref, tout ça pour dire que si on les atteint, ouais, j'ai pris l'engagement d'emmener en main propre la PS5 à son vainqueur. Mais comme on n'y arrivera pas, c'est pas comme si je prenais un énorme risque. J'ai oublié que ça a commencé ce truc. Bah, ça a commencé le 17 en fait, techniquement, et ça dure jusqu'au 26. Voilà, mais moi, on sait jamais capable, pourquoi pas sur moi. Oui, non, mais c'est bon, d'accord, c'est bon, t'inquiète. Alors, si on gagne la PS5, je promets d'amener la PS5 à Refab, hein, quoi. Allô? Allô? Très bien. Ça va aller, hein. Ça va bien se passer, hein. Mais putain. Faites des subs! Approuvé by bot! Tu m'étonnes que Golden dit fait des subs. Ah, d'accord. Golden, c'est le frère de Refab, c'est pour ça. Ah, d'accord, ok. Si on les atteint, tu peux en offrir même deux autres que t'es rentable. Ouais, non. Spoiler, je vous rappelle que j'ai un NURB à financer pour l'année prochaine, donc ça ira dans le canyon NURB. Hein. Le projet Lords of the Fallen, c'est abandonné? Non, c'est en attente de Guy qui a le temps. Ouais, c'est là pour le coup pour Lords of the Fallen, ouais, c'est moi qui merdouille, hein. C'est que là j'ai manqué de temps, ça a été des semaines assez complexes ces derniers jours, donc j'ai pas vraiment pu tenir Kuro au courant pour Kuro au courant, non, c'est con à dire ça. Putain, j'avoue, Kuro au courant. J'ai pas vraiment pu tenir mon binôme au courant pour qu'on puisse avancer. Et le problème qui est chiant, c'est que typiquement Lords of the Fallen, c'est le genre de jeu où si tu joues pas pendant plusieurs jours, t'oublies tout, et quand tu reviens dessus, tu te fais casser la gueule en boucle et on va en avoir marre, on va rage quit, FF, voilà. Mais ça se passait même quand on n'avait pas oublié de comment rejouer au jeu. Donc Oui, par contre, oui, c'est vrai que ça. Nonobstant le fait qu'on était régulé sur le jeu, ça nous arrivait quand même de nous faire laver le cul dès qu'on le lançait. Donc bon. Évidemment, par notre plus grand rival dans le jeu, les sauts. C'est quoi cette boîte de retour vers le futur? J'avais jamais vu avant. Cette boîte? Une boîte de retour vers le futur? Comment ça? Allô? Quoi? De quoi il parle? Comment ça, une boîte de retour vers le futur?
Allô? Je parle de Benef, je t'ai pas dit, fais-le. Ah oui, non, mais bien sûr, oui. Après, bon, de toute façon, vous me parlez de Benef, je vous rappelle qu'on est en France. Hein. La France et l'auto-entrepreneuriat, c'est pas compatible. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, on arrive à 6000 subs ici, ça va durer un mois. Et quand l'URSSAF va passer derrière, je vous garantis qu'ils vont se frotter les mains. Hein. Je sais pas trop la règle de LOTF par rapport à Elden Ring, ça va, vous aimer le jeu. J'avoue que par contre, si un de ces quatre, je pouvais embarquer Kuro sur Elden Ring, ce serait une toute autre ambiance, hein, je vous jure. Hein. Oui, Mais. quand je suis là, on se fait chier. Hein, quoi? Parce que LOTF, ouais, il y a vraiment des moments où on s'emmerde fort. Hein. Oh, on a passé des heures, mais vraiment, je crois que la dernière session, c'était littéralement 2 heures de rien. Deux bah, heures de deux toi heures et moi qui explorions des... à chercher de Ouais. où il fallait qu'on aille. C'est ça. De 2 heures de... On cherche notre chemin. 2 heures de... On tombe sur des packs de mobs full aggro de partout, on sait pas pourquoi. 2 heures de nous en train de crever en boucle parce que on sait pas où faut aller et on sait pas pourquoi il y a autant de mobs dans une zone random. C'est bizarre. À côté de moi? Comment ça, à côté de moi? La boîte Star Trek là? Ah mais ça va! Le truc Ce qu'il y a Star Trek? là-bas? Ce qu'il y a derrière le chat? Ce que vous voyez au fond? Parce que là, le truc Star Trek, ça c'est mon OP en cours, c'est l'OP sur le jeu Star Trek Fleet Command. Mais si vous parlez de ça au fond, c'est pas une boîte, c'est un... C'est une affiche de film, c'est une affiche murale. C'est une affiche en toile sur support bois. Bonsoir, Electro. Et qui est même pas déballée en plus d'ailleurs, elle est toujours dans son emballage. Ouais, c'est pas une boîte, hein. C'est une affiche de film, ça vient imprimé sur toile et puis ouais, que je peux accrocher au mur, mais j'ai tellement pas de place sur les murs Le live que a des voilà. coupures. Non, j'ai pas de paquet perdu, Hein? Angeline, donc c'est pas moi. Oh putain, arrêtez de me parler de coupures sur les lives. Hein. Non, non, ça va. On me demande si le live a des coupures chez moi, mais non, j'ai pas de paquet perdu. Me parler de coupures de live, je vous jure, il va y avoir des PTSD là, Au secours! Pourquoi elle est pas déballée, monsieur Guy? Bah, parce que pour l'instant, vu que je l'attache pas. Je la laisse pas à la merci de la poussière en fait. Une flemme. Pour l'instant, elle reste là exposée à côté au pied de la plante et bah, c'est que j'ai pas envie qu'elle soit qu'elle soit poussiérée par la poussière quoi. Au moins elle est à l'abri de la poussière derrière son gros qui son perd petit son paquet. Non mais tout de suite, arrêtez. Direct des pertes de paquets. Oui, je pensais pas ces paquets là. Ouais. Ah ouais, bah forcément ouais, c'est une phrase de Electro, voilà. Hein. Ah oui bah oui bah oui évidemment évidemment. Qui d'autre? Voilà. Non, puis après, si je commence déjà à mettre cette affiche au mur, normalement j'ai Kuntach qui va débarquer scandalisé, qui va me retrouver, qui va me baïonner, me kidnapper et tout ce qu'on veut, demander une rançon à ma famille, parce que je n'ai toujours pas mis au mur les 3 ou 4 displays qu'il m'a envoyé ces 2 dernières années. T'as qu'à dire qu'elles sont derrière la caméra? Bah, c'est pas totalement faux en plus. Bon, bah voilà. C'est pas totalement faux. Il faut bouger les fesses à Kela pour la saison 2 de Bleach. Mais c'est pas eux qui gèrent la saison 2. Ah oui, tu veux dire pour les persos de la saison 2? Ah oui. Ce que j'allais dire, oui, c'est pas eux qui vont presser le boule. Mais qu'est-ce que je fabrique? Je fais une petite sauvegarde là, puis je change de scène. Hop. Kuro and the Tac. Lost Paquet. Oh, vous me fatiguez. Tiens, vous savez quoi? Je vais remettre à zéro la playlist d'Astral Ascent. Moi, j'ai un remix de Pokémon. Oh. Oh. Depuis le temps, Guy, t'aurais pu pousser les murs. Depuis le temps, j'arrête de lire mon chat aussi. Alors. J'espère que tu n'as pas Salut, oublié Rick. De prendre les sprites des Pokémon, bien évidemment, Guy. Bah, je les avais déjà la semaine dernière. Non, je crois qu'il t'en manquait un. Oui, il manquait celui de Vigoroth, je crois. Bah, ça doit toujours être le cas. J'ai pris l'overlay que tu m'as envoyé, du coup, tout à l'heure, là. J'ai pas vu ce qui avait changé du coup dans le dimensionnement. Tu m'as dit que c'était Rafa qui avait redimensionné quelque chose, mais j'ai pas bien vu quoi. Le jeu, en fait, il est un peu plus. Enfin, la fenêtre de jeu, elle est un peu plus petite. La fenêtre de gauche, du coup. Alors, je sais pas si elle est à ta gauche chez toi, mais à moi, elle est à ma. Bah, la fenêtre qui est à côté de nos cams, en fait. Ouais. Pas celle du bas, celle qui est à côté de nos cams. Ouais, il a un peu réduit en hauteur et en batteur. En dimension quoi. Ouais. Ok. Vu qu'elle était un peu trop grande. Let's go. Je me tâte. À continuer Inazuma Eleven 2 ce soir. Jamais regardé. Mais Parce Electro, que... t'étais censé dormir. J'ai déjà vu Captain Tsubasa donc ça me suffit. Salut Remax. Bonsoir. Et aussi bouger les fesses au mangaka et au studio d'animation pour la saison 2 de la nuit. Mais la saison 2 elle est finie Riyad. On attend la saison 3 là. On attend la partie 3 là du studio d'animation là. T'as une saison de retard mec hein. La S2 c'est fini il y a combien de temps? Un mois peut-être?
Je suis partie 2 jours avant toi, Kuro. Alors, oui, peut-être. Mais moi, je n'étais pas malade. Sauf que c'est fini il y a un mois, et là, la prochaine, là, du coup, la P3, maintenant, on l'attend pour aller mars-avril, quoi. Je pensais que c'était pas encore sorti. Ah, si, si! Ah, si, si! Là, on a eu la première partie l'année dernière, il y a eu l'autre partie là qui a été diffusée cette année et qui s'est terminée, je crois, maintenant, il y a un mois. Qu'on a pu suivre, on a battu quelques épisodes en live. Et maintenant, la troisième partie, elle est attendue pour fin du premier trimestre de 2024 ou début du second trimestre de 2024, quoi. Salut Lily, bonsoir. Tu vas bien pas que c'était Pokémon? Ouais, bah justement, je vais changer de scène, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. On va faire comme classiquement chaque semaine un petit point sur là où on en est. T'as 60 épisodes de One Piece à rattraper, Golden? Oh, moi je les ai rattrapés il y a pas longtemps. J'en ai 1000 à rattraper. Oui, bon, t'as pas regardé quoi. Bah si, j'ai regardé, mais ça date d'il y a longtemps. Et puis c'était avec la diffusion FR qui ressemblait à rien. Donc autant recommencer à zéro dans ces conditions. Quoi. Salut Maître PVP, bonsoir. Tu joues lequel, héros, où est ça? Je sais pas, je suis sur lequel moi. Ah du coup tu connais pas Joy Boy, Golden? Je suis sur quelle version, je sais pas sur quelle version je suis moi. Bah si, je crois que c'est Ruby Omega que j'ai moi. C'est les mêmes. C'est les mêmes, de toute façon les Pokémon sont random donc ça change rien. Non mais y en a pas un sur Ruby Omega et l'autre sur Sapphire Alpha, non? Merci du spoil, merci. Bah c'est pas un spoil, je fais tu connais pas Joy Boy. C'est genre, y'a aucun spoil, si tu connais pas Joy Boy, tu connais pas Joy Boy, y'a aucun spoil. Ils m'ont complètement largué sur voir anime. Ah bah voilà, tu vois t'as des épisodes de retard. Alors, où est-ce qu'on en est? Voilà où on en est. C'est en dessous, c'est en bas que ça se passe. C'est en bas. Du coup j'ai fini de Pex Badcore, donc qui est level 15, Q est level 15 et Oxy level 17. Comme ça on est peinard. Donc Badcore, résumère. Donc il a Anulgard en talent. Au niveau de sa spé, donc il est buff en défense et nerf en attaque spé, donc on s'en fout parce qu'il est physique, donc l'un dans l'autre on s'en tabasse. Il a Bulle de Boule, Rayon Gemme, Tête de Fer et Choc Psy, donc deux attaques physiques et deux attaques spé. Bon, dommage pour les attaques spé, mais bon, je les ai pris pour la couverture en termes de. Je vais voir en action Golden, vraiment c'est incroyable. De damage. What else? Zut, Crotte de Bique, Caca Boudin. Voilà. Bonne soirée. Plus gamin, donc à cœur noble, monte l'attaque si une attaque ténèbre le touche, alors ultra circonstancielle de sa mère. Level 15 également, mais up en attaque spé et nerf en défense. Badant. Et du coup il a Vive Attaque, Griffe Acier, Voix Enjôleuse et Rayon Lune. Griffe Acier très rigolo, hein. ça fait du dégât. Hein. Ça fait du dégât pas mal. Hein. Bulle de boule, voilà, il a une bulle au boule. Marrant ça. Hein. Mais pourquoi ça quitte demande le menu à chaque fois, c'est bien bulle de boule, ce que j'ai dit moi. Oui, bulle de boule, ouais c'est ça. Vous allez finir par me faire douter au bout d'un moment. Et résumère, donc Oxy, donc Ténéfix avec 100 limites. Frappe plus fort mais annule les effets cumulés avec Vive Attaque, Piqûre, Onde Vide et Feuille Magique. Et donc Up en attaque et Nerf en attaque SP. Donc c'est elle par contre, elle avait une nature qui marchait plutôt pas trop mal. Et oui, et elle tient une Ténéfix Hit. Histoire de rigoler un peu. Ah oui, c'est vrai qu'on avait essayé. Bon alors, de mon côté, Warren qui est un excellent avec œil composé. Donc augmente la précision du Pokémon. Il est... Monter en attaque et baisser en défense, je crois. Il a l'échouille force cosmique et il a appris Flamèche. Attention. Soir 2. Voilà. Du coup, on a Mondiancy qui a la Diancite. Qui a peau dure. Il est moins attaque plus attaque spé. Merci pour le follow. Avec écrase face, télékinésie, représailles et éclair. Et Akaisei qui est le Kémorse, qui a fermeté, plus attaque, moins DFSP, bon ça c'est un peu chiant. Bombe acide, force nature, souci graine et balle météo. Et moi j'ai une équipe de tankiness, hein. Moi je, voilà. Sans limite, qui carry, après tu as vu le talent une fois qu'il méga? Non, on n'a pas le méga bracelet pour l'instant, on n'a pas le bracelet qui permet de le faire. Donc pour l'instant, on sait que nos starters ont démarré avec leur méga gemme respective. Mais on peut pas les exploiter pour l'instant, on n'a pas encore la mécanique qui permet de le faire. D'ailleurs, t'as pas eu une méga gemme au pif sur un Pokémon que t'avais capturé la dernière fois? Bon, tu dois plus l'avoir maintenant puisque t'as recommencé, mais je crois, il me semble que t'avais chopé une méga gemme au pif qu'il y avait un Pokémon sauvage qui tenait. Ah putain, oui, c'est vrai, maintenant que tu m'en parles, il me semble que oui.
Ah oui, bien vu ça. Ah oui, je m'en rappelais plus de ça, oui. Mais oui. Bah du coup, ouais, mais comme tu l'as dit, bah c'est Lost, hein, du coup. C'est Lost, mais c'était très drôle en tout cas de voir. Oh bah tiens, j'ai trouvé machin là. Bah si, je crois que c'était la méga gemme pour Stilix, il me semble. Ah, il y a peut-être moyen là. Ouais, il y a peut-être moyen. Ça me dit quelque chose. C'est lointain, mais ouais, ça me parle. Il faut dire que bon, enfin, c'est lointain, et puis surtout, bon, bah j'ai vite perdu le mood à cause des soucis la semaine dernière, donc bon. Oublie pas de mettre ton vigorote, hein, bien sûr. Oh putain, j'ai tellement peur de toucher à cette scène, si tu savais. Démolos. Ah, on me dit démolos dans le chat. T'avais une démolosite. C'était une démo le site? Ouais, bon peut-être. Bon, de toute façon, j'ai envie de vous dire, on va pas débattre là-dessus pendant 4 heures. Hein, de toute façon, c'est lose, de quoi qu'il arrive. Un aga Du ferme. coup, c'est sur ces Poké Encyclopédia, c'est ça? Je peux t'envoyer directement le lien Ouais, je veux là bien, parce que là, je maintenant suis en tout de train de remonter suite. notre conf Oui. pour le retrouver. Comme ça, t'as directement sur les bons sprites et tout, voilà. Et là, du coup, c'est Vigoroth que je dois aller chercher. Ouais. C'est Gen 3. Alors attends, il va me charger tous les sprites là, ça va. Ah bah, oh, bah d'accord, bah en plus ça tombe bien parce que Vigoroth fait littéralement partie des premiers sprites qui ont chargé. Bravo. Bravo Guy. Mais c'est quoi ce bordel? Allô? Non mais reviens. Reviens, reviens du con. Ah voilà. Non Reviens mais. Gaston, j'ai les mêmes à la maison. Reviens du con et reste là surtout du con. Voilà. Hop. Le multistream. Oh! Oh let's go, j'ai mon émulateur qui vient de se fermer. L'émulateur vient de se fermer. Ah, c'est pas mal ça. Oh, je le sens tellement mal pour ce soir. Ah, c'est pas mal ça. Ça va tellement partir en couille. Bioméga, reviens! Reviens, Rosa! Il s'est pas réduit, hein. Il s'est vraiment fermé quoi. Ouais, Il fait fermé bizarre. et fermé. Hein. C'est. Chelou, ça. Il a FF hein, lui aussi. Hein. Ah oui, tu peux faire une alerte de save toutes les 15-30 secondes histoire d'éviter les soucis, Guy te le dit. De quoi, pardon? Bonjour, bonne soirée, Chris. Tu peux faire une alerte de save toutes les 15-30 minutes histoire d'éviter les soucis, on te demande. Voilà, j'avais save juste avant de commencer à faire mon descriptif là, de ce qui avait changé là. Donc, heureusement, ça va. Pas trop mal passé. Putain, c'est pas vrai. Hein. Au secours. En plus, là où on va, la prochaine, c'est une zone. Donc, oublie pas de prendre un maximum de boules! Merde, putain, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ok. Des balls, des balls, des balls, des balls. J'ai. Merde, putain. Ah, pitié. J'ai actuellement 14 Pokéball et une Honor Ball. Alors, moi, j'ai combien? J'ai 16 Pokéball et une Honor Ball. Ah, c'est moi qui ai la démolocyte. C'est moi qui ai la démolocyte. C'est pas Guy. Ouais, bon, je vais pas racheter Pokéball parce qu'on va, on va essayer d'opti quand même. Bon, j'en ai 14. Ok, let's go. Du coup, je sais même pas par où faut aller parce que là, moi j'étais Sur la resté gauche. en haut, la zone du haut. Sur la On avait fait gauche. autre chose? Non, on avait rien fait, hein. Là, je suis route 102 du coup, Ouais, c'est ça, en c'est partant là. à gauche. Ok. Et donc, ouais, effectivement, il y a un carré d'herbe là direct en haut dès qu'on arrive. Oui. C'est donc de celui-là dont il est question, j'imagine. Oui. Après, t'as un dresseur en bas. Ouais, je vois, puis il y a d'autres herbes derrière lui. Voilà. Moi, j'ai fait le dresseur en off parce que j'avais oublié qu'il était là. Bah écoute, je vais faire le dresseur. La dresseuse en l'occurrence. Philippe. Philippe, quoi? Base secrète? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? D'accord. Tiens, paf. Ah, dégage. Remis Bon, 64 boulets, ok. Alors, ouais, donc j'ai battu celui-là. Ouais, il y a d'autres dresseurs après. Il y a d'autres carrés d'herbe, ok. Bon, bah écoute, je vais m'arrêter dans le premier carré d'herbe, là, celui qui est à côté de l'espèce de petit lac là. Ouais, ok, bon Et puis, on va aller au go. même endroit. Hein.
Allez, c'est parti. Oh, j'ai un Boscara. Un Galifeu. Oh, ça va être folklo pour les captures. Bon, je pense que l'échouille, c'est ok. Moi, je peux pas attaquer. Hein. Je peux en attaquer aucun. Moi, j'ai fait l'échouille, ça a baissé ses points de vie, mais c'est tout. Hein. Genre, pas plus. Hein. Bon, commençons à lancer des boules. Parce que là, quoi que j'ai comme attaque, je peux pas l'attaquer. Ouais, il a nitrocharge. Je vais être ce KFC. Alors attendez, hein, parce que le taux de capture là, c'est pas. Alors, c'est une première forme. Enfin, c'est une seconde forme, du coup, une première évolution. C'est une seconde forme. Donc, il devrait être statistiquement mieux que sa forme de base. Oh, il a belle glace. Mais là, même avec Rayon Gemme qui est SP, Vigorante a de très très basses stats d'attaque SP. Il est plus physique que SP d'ailleurs. Mais genre bien plus. Et Rayon Gemme, les Pokémon plantes sont pas résistants aux attaques roches ? Parce que plante c'est fort contre roche, mais est-ce que roche ça c'est. C'est quoi, c'était neutre ou c'est c'est neutre? Ah merde. Ah non, si c'est neutre, je le bute. Ah ouais, parce que là, si on reprend le résumé de Badcore, voilà, il est à 20 en attaque SP. Après, c'est 20 en attaque SP, donc c'est une stat très basse. C'est une attaque non stabée. Ouais, mais il est level 3, quoi. Moi, le poulet, il rentre pas, hein, pour l'instant. Ouais, bah, je me doute, ouais. Et c'est un peu ce qui me fait peur par rapport à ça. C'est vrai qu'on n'est pas tombé sur des légendaires non plus. C'est maintenant que je dis ça qui rentre. Oh la vache, putain, j'ai pas le choix, faut que je le chope. Ah, putain. Et tu l'as affaibli un peu ou tu as été comme ça Je vais mine les chouilles. Ouais. Oui, la bélier, tu pries. Ouais. Oui, la bélier, tu pries. Le KFC est rentré. Oli. Quand ça fait le décart, tu te butes avec une vive atteinte, quoi. C'est... Oh putain. B plus bar. Il a même pas cherché à faire trembler la boule, il est sorti direct. Oh, aïe, 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 aïe. Attendez, parce que moi je l'ai capturé, mais. Guy, lui, il peut pas l'affaiblir. Hein. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai encore les chouilles, quoi, hein, comme attaque. Ça y était presque. Non, le jeu, ça n'y était pas presque. Arrête de mytho. Oh là là. Il fait même pas trembler la boule. Hein. Il sort direct. Tu l'as affaibli ou tu as été à sec? J'ai les chouilles, j'arrive au bon moment. Voilà. Choc psy, ça va? Choc psy? Mais il est pas plein de poison? Non, il est pas poison, Boscara. Il est plein de tout court? Ah, je crois qu'il est plein de tout court. Hein. Ah, mais bon, même un choc psy, je risque de l'allumer. Hein. Bah, essaye avant que t'aies plus de bol, quoi. Que choc psy, Choc psy, c'est 80, hein. Non, ça va aller. Choc psy, tape physique. Non, ça tape SP. Ça tape C. SP. Choc psy. T'as pas une attaque pro après... Si, j'ai l'Emperwak qui a. Non, putain, je suis con, bah non. C'était Vigoroth qui avait Bulldo, mais il a pris Rayon Gemme à la place. Oh merde. Ah, ça fait des dégâts physiques. C'est le chaos. Oui, mais je vais le buter si je l'attaque. Je vois pas quelle technique je peux employer sans le mettre à terre, en fait. Moi, je te dirais d'essayer les balls jusqu'à ce que t'en aies 5. À 5, ça devient tendu. Donc à 5, essayer de lui envoyer l'attaque la moins forte que t'as. Après, j'ai voix enjôleuse, ça fait 40. Laisse échapper une voix enchanteresse qui inflige des dégâts psychiques à l'ennemi, touche à coup sûr. Vive attaque, c'est moins que 40, je crois. C'est 30. Non, c'est 40. C'est 40 aussi, ouais. Ouais, c'est 40. Après, j'ai griffe acier, mais qui tape à 50.
Ça tape avec son attaque spé sur la def physique. Ouais, mais je connais pas les stats de Michel en face de moi là. C'est ça le problème. Là, j'ai vive attaque, après j'ai piqûre. Piqûre, ça fait 60, dommage. Ah, j'ai feuille magique. Une attaque plante sur une attaque plante. Enfin, sur un Pokémon plante, je veux dire. Après, j'ai onde vide. Ouais, non, pas onde vide, Onde hein. vide. Onde vide à 40. Feuille magique, ça se tente, non? Il y a combien d'attaques spé, Ténéfix? Ténéfix, il a 25 en attaque spé. Je pense que ce feuille magique, tu peux le tenter si jamais il rentre pas. 25 en spé sur une attaque à 60 non stabé qui du coup est en spé alors sur un Pokémon physique versus un Pokémon plante donc il va forcément avoir ses propres résistances quoi. Mais là j'ai quand même j'ai 14 niveaux d'écart quoi. Ouais, mais bon, t'as pas trop le choix, hein. S'il rentre pas et que t'as plus que 5 balles, je pense pas que t'aies trop le choix, hein. Ouais, je vais continuer de l'agresser un peu à la Pokéboule puis on va voir. Hein. Et même pas genre il fera semblant, hein. C'est terrible. Il fait un tremblement, waouh, il m'a fait 2 PV de dégâts, c'est un coup critique. Bravo. Bravo à lui. Bravo lui, Personne n'avait vu GG. venir. Oh putain, il est capturé. OMG! Oh bah merde. Bah d'accord. Bah voilà. Ok. Oh! Bon. Bon bah ça c'est fait hein. Oh la vache. Putain. On n'avait pas vu venir. Ah non mais clairement pas hein. Là vu la résistance qu'il faisait depuis le début, pour moi la capture elle était c'était loose hein. C'était waouh. Ouh là là. Eh ben. Bon. Ah, il a un objet, le mien. Boscara into Torterra du coup, c'est ça qu'il faut retenir. Nœud destin. Il a un nœud destin. Ouais, il a un nœud destin. Allons, fil Ah ça va, rouge. ça merde. Tranquille. Alors, Il a un Pokémon supportant ton amoureux la nuit aussi, d'accord. Alors, voyons voir ce petit bas de corps. Il est moins attaque plus def spé. Ok. Il a éclair, balle glace, griffe, nitro charge. Et il a ramassage, permet parfois aux Pokémon de ramasser des objets. Bon. Là. Alors. Je save. Précaution. Je save. Alors, Je vide. résumé. Hein. Oh, il est royal. Ah non, attends, il est up en vitesse, nerf en def spé. Le talent herbivore neutralise les attaques plantes et augmente l'attaque. Bah non mais on s'en fout, de toute façon il est résistant. Bon bref. Et il a vampirisme et bain de smog. Il a que deux techniques. C'est pour ça qu'il Tata te faisait que le détruit. vampirisme depuis tout à l'heure. Ouais. L'attaque aspire le sang de l'ennemi. Oh. Oh, il y a une alerte qui vient de foirer là. Ouais. Donc le pire dans l'histoire, c'est que je lui aurais lancé un feuille magique. En fait, je l'aurais buffé. Oui. Truc de dingue. Putain, mais t'as ça sur un Pokémon eau ou roche, mais t'es godlike en fait. Hein. Ah ouais, ça. Là, un Pokémon plante qui a ce talent-là. Est-ce que j'avais mal lu au début? J'avais pas lu neutralise. J'avais lu augmente. Augmente les attaques plantes, blablabla. Enfin, ouais, j'ai mal lu quoi. Mais bon. Pas forcément mieux. Dommage. On espère avoir mieux sur l'évo. Le talent va changer avec l'évolution? Je sais pas, c'est pas moi qui ai randomisé, je rappelle. Ah, d'accord. Ah oui, ok. Donc il immunisait son propre type. MDR, let's go. Attends. Ah mais attends. Lui en plus il va pas évoluer tout de suite. C'est pas genre 32 qu'il évolue? C'est un truc comme ça, ouais. Ah lui il va mettre un petit bout de temps avant de... Mais putain, je vais y arriver. Au secours. C'est 36? Genre c'est pas plus tôt pour les Pokémon plantes? Ils évoluent pas plus tôt que Noc les du autres? noir, il a le mec en face.
Hein? Ah, je croyais. Ok. Il me semblait que les Pokémon Portes évoluent un poil plus tôt. Bon, bon, mauvais. Je backtrack pour aller soigner tout le monde. Il a abîme le J'ai mis. bouseau. Ah! Très bien, très bien. Il a abîme Noctunoir. Oh, meurs vite! Meurs vite! Oh, Badcore qui prend 3 niveaux d'un coup! Badcore qui veut apprendre prélèvement du destin! On va changer ça d'Arda. Hein. Niveau 6. Wow, niveau 6. Oh, il a pris masse XP. Tu as raison, Guy, il évoluera en Torterra niveau 32. Ok. Des boules, oublie pas, Guy. Non, j'ai pas assez d'argent pour les boules. Mais j'y pense fort. Hop, paf, dégage. Oh, moi j'ai battu un pierre à la zeb. Bon, il y avait quoi d'autre dans ces hautes herbes? Un dos du haut? Ok, c'est pas le même style de poulet, quoi. Qu'est donc ce poulet? J'essaie de voir un peu ce qu'il y a dans les hautes herbes aussi, mais ils ont pas l'air de trop vouloir spawn. Pistolet à houle. 32, tu avais raison. Ah d'accord, donc c'est bien niveau 32. Ok. Oh, un Roserade niveau 4. Oh, il y a moyen que ça apporte un peu d'XP, ça, mine 2. Arrête, okay, avance, okay, niveau 13. Bad monte au niveau 7. Let's go. Oh, sa grand-mère la... Quoi? Enculard. Oh, il y avait un pan d'espiègle. Qu'est-ce qu'il se passe? Le Roserade, il vient de me mettre un truc dans le boule, là, j'ai pas kiffé. Hein. Il sait que vraiment ce que je ramasse pour toi, on sait jamais. Mais c'est comment que je sais que tu ramasses des trucs, Bad? Un Cravarèche. Cravarèche, c'est quoi déjà un Cravarèche? Ah si, c'est l'espèce de truc qui ressemble à une espèce de vieille... Dragon poison. Ouais, ça, c'est le truc qui ressemble à une espèce de vieille algue dégueulasse, là. Ouais, c'est ça. Un tétarte. Vite, fuite. Je peux pas garder Oxy, elle va se faire pound. Il tient pas d'objet, je vais enlever son nœud du destin. Eh ben c'est bon. Oui. Ah ouais, Bad, il a ramassé un objet déjà. Niveau 2. Super potion. Mais c'est trop bien. 32 balles. Non mais vraiment. La run Clodo pour 100 quoi. Bon, j'aime. Je retourne à la ville, je backtrack pour aller soigner un Pokémon level 4 qui m'a foutu mon Ténéfix level 17 dans le mal quand même. Hein. Ramasse et active à chaque combat. Pas m'énerver. Hein. La bombe infligée des dégâts au déplacement sur cette gêne. Non, pas souvenir de ça. Il a pas ramassé là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Un Rwagada! Ça va les Pokémon haut là? Alors. Un Arceus! Alors. Alors. Oui? Excusez-moi. Ça... Ok. Excusez-moi, monsieur Home, arrêtez avec les Pokémon légendaires. Mais je vois que l'émulateur, il est en train de me dire, il m'affiche 89 FPS. On peut pas le caper, cet andouille là? Bonne question, un gras score. Bonne question. Celui-là, t'auras aucune chance de le capturer. Oh bah, comme à peu près n'importe quel légendaire qui serait tombé à ce moment-là du jeu. Je pense. À part une énorme chatte comme j'ai eu avec le Mewtwo. Vampirisme. Tiens, mange. Robat de corps va prendre point éclair. Ah bah oui, à la place d'éclair. Oh, Super Geek qui apprend lame d'air. Oh ouais. Nice. Oh, il y avait un Gravalanche dans les hautes herbes. Oh mon Badcore, il est déjà niveau 10. Oh, il y a des baies là. Ah, j'avais un racaillou dans la zone précédente et là j'ai un. Non, non, mais c'est... J'ai un Gravalanche ici quoi. MDR, LOL, LUL, PTDR, XPLDR. Incroyable. Ouais,
Le petit 0,01% de Pokéball. Ah bah t'imagines. Ça existait déjà le système de capture critique sur cette génération du jeu? Je crois pas. Parce que si ça existait, la capture crit, une capture crit à Arceus, OMG. Hein. Oui, je vais soigner mes Pokémon parce qu'ils ont perdu 2 HP, et alors? Je suis en train de pexer mon... mon Torterra en devenir. Oh, moi, il est niveau 10. Moi, si je, continue de tabasser des, si je continue de tabasser des Arceus et des Gravalanches, il va pas mettre longtemps à prendre des levels. Crow qui a peur. Mais bien sûr que j'ai peur. Regarde ma team, elle est trop bien ma team. Je veux pas perdre mes Pokémon. Hein. Voilà, Super Geek qui montait level 10. Let's go, let's go, let's go. J'aurais bien aimé Pondespiègle aussi en vrai. Pondespiègle c'était bien aussi. Hein. Par contre, on est d'accord que si je tombe sur un Arceus Chenny, je tente ma chance. Hein. Oui, oui. Oh, un dressure. Oxy niveau 18. Télicheux, c'est 36, je crois. On level 11. Go. Ça fait quoi, terre finale? Crachin de rat attaque. Niveau 14, c'est la première arène. Mais ta sœur, non, à un moment? Je sais pas. Il a nitro charge, frère, mais c'est MDR. Il a nitro charge, bad. Bonjour, je suis Chippy. Bah, de quoi qu'il apprend nitro charge? Mais il a nitro charge, il a de base. Ah d'accord, ah il a nitro charge, ah oui d'accord. Oh un objet, une potion. Nitro charge, c'est une attaque qui te fait augmenter ta vitesse à chaque fois que tu lances l'attaque. Le lanceur s'approche de la cible avec un air angélique afin de dérober l'objet qu'elle tient. Oh c'est bien ça. Gros détente. Il peut aussi apeurer l'ennemi. Alors attends, parce que lui il est up en vitesse. Hein. Mais il est plus physique que spé. L'âme d'air s'attaque en spé, ça c'est... ok. Ok, il a deux physiques de spé, très bien. Gravalanche, terre finale, les ratatac, crachin, ils ont changé Groudon et Kyogre. Parce que oui. Terre finale, c'est le talent de Groudon. Je crois. Oui. C'est le talent de Primo Groudon. Primo Groudon. Ah oui, d'accord. Ah oh, oui, bah c'est jamais assez quoi. Dès que mon pseudo est associé à un Pokémon, il se retrouve avec des attaques de fou. Mais à ton avis, pourquoi j'ai mis bas de corps sur Califeu? Oh, je vais voler quoi là, Michel? C'était une Pokéball qui tenait? Guy, carotte des bolos aux enfants. Je carotte des bolos Arceus, ouais. Ah. Oh, un autre Boscara. Bonjour. Ok. Je suis arrivé à Clémentiville. Terre finale, c'est sécheresse en plus fort. Ah, d'accord. Ok. Sympathique. Oh. Tu fais quoi là? Dead? Crève? Crève toute ta vie? Crève fort? Ouais, mais je regarde un peu à chaque fois si t'as un truc. Si t'as un truc pour moi. Regarde un petit peu ce qu'ils ont là. BF. Ah, j'ai pas assez pour acheter. Oh, roue de feu. Roue de feu. Quoi? Sur Arceus, roue de feu. Au secours. Comment ça? Super gay. Il y a notre 12. Papa. Eldalan. Bon, là, il y aura R, donc on va changer, on va switcher. Hop. 4, comment ça 4? Y'a Tibou! 4? Y'a Tibou qui reçoit un Zigzaton! Le Boscara a un objet, le mien? Mon Boscara a un item? Ah, Timmy qui va capturer un Tarsal. Ah, ça a pas été c'est une Scuba Ball! Ah oui, mais parce que. Ah oui, d'accord, c'est qu'en fait, si jamais il vole un objet, il le garde sur lui! Ah, mais c'est comme moi, il a ramassage ton bordel? Non, il a un plore. Ah, ok. Ça me permet de piquer un objet. Attends, ah oui, et il le garde sur lui. Ah mais je savais pas, je pensais qu'il le stackait dans l'inventaire, moi. Non, objet, l'enlever. Prendre. Super Geek vous a remis le module à quoi? Hein? Ah oh, d'accord. Comment ça, mon bœuf? Tenu par Genesec, ce module change la capacité Techno Buster en une capacité de type O. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi j'ai ça? Oh ça va être marrant, cette technique, et lui il veut devenir mon main, hein. je vais passer mon temps à chouraver des objets sur les Pokémon sauvages. Hein. Allez hop, paf, tiens. C'est marrant parce que moi j'ai ramassage, donc moi j'ai Bat qui ramasse des objets pour moi. Ah, j'ai Super Geek qui brûle. Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'il faut que je commence à m'inquiéter? Peut-être. Vol, bref, défonce-lui la gueule, merci. C'est quoi le Navidex? On s'en bat les couilles, non? Ouais. Super Geek il va prendre Gribouille. Comment ça Gribouille? What the fuck is Gribouille? Ça sert à quoi Gribouille? Comment ça PP1? Oui, c'est... Le lanceur pour la dernière capacité, c'est... Quoi?
Le lanceur apprend la dernière capacité utilisée par la cible. Gribouille disparaît après utilisation. Mais c'est cheaté! Pourquoi tu le captures pas? Parce que je ne peux pas le capturer, j'ai déjà capturé mon Pokémon de zone. Et puis bon, c'est un seul Pokémon par zone et j'ai déjà capturé Boscara ici. Pourquoi tu le captures pas, MDR? Et puis j'ai envie de vous dire, capturer un légendaire à la Pokéball, sachant que j'en ai 6, j'ai LHF. Hein. Je parle à tout le monde dans le village. Mais c'est pas un peu pété ça quand même? Je crois que Gribouille c'est juste pour le truc. Bah le lanceur apprend la dernière capacité utilisée par la cible. En gros, il y a un mec qui me balance un truc ultra vénère dans la gueule. Je balance Gribouille, je la prends. Ouais, mais je crois que ça se reset après. Hein. Hey, le Gribouille disparaît, mais du coup, il est remplacé par la capacité que j'aurais chouré à l'autre. Ouais, mais justement, est-ce que genre juste après la fin du match, en fait, ça reset? Non, Gribouille disparaît après utilisation. Donc non, moi je comprends que je mets Gribouille dans mon moveset, j'utilise Gribouille, ça pique la dernière capacité, et pouf, ça fait un moveset qui remplace Gribouille. Ok, bah si t'as une attaque pourrie... Bah il faut pas l'utiliser n'importe comment, il faut d'abord que l'autre me tape sur la tronche. Il me tape sur la tronche, oh tiens, cool ton attaque, hop, merci, je garde. Ouais, mais si toi t'as une attaque pourrie auquel tu peux pas te servir, tu peux mettre ça à la place quoi. Bah là présentement... Qu'ai-je? J'ai lame d'air, bain de smog, vampirisme et implore. Je peux peut-être virer bain de smog. Je vais peut-être virer ça, ouais. Vampirisme est nul à chier. Oui, mais c'est de la survie. Oui, mais... Cette attaque est définitivement remplacée par la dernière attaque utilisée par la cible, l'attaque copiée à ses PP maximum. Elle échoue si la cible n'a pas utilisé de capacité. Si l'utilisateur s'est transformé ou si la capacité est babile, gribouille, lutte ou autre que l'utilisateur connaît. D'accord. Il est en train de me mettre des buffs là ou je rêve? Oui, parce que vampirisme, certes, c'est pas ouf, je vous l'accorde. Mais est-ce qu'en attendant pour grappiller du HP et économiser des potions, ce serait pas mieux de le conserver à la place de bain de smog qui a une utilité, bon, je sais que c'est pire, mais j'ai pas. Je sais plus sur quoi je l'ai programmé le s'accroupir. Et c'est le Mikata, bonsoir, bonsoir. Salut Isoka. Barre de smog, le lanceur jette un tas de détritus spéciaux sur la cible. Les changements de stade de la cible sont annulés. C'est du spé, ça tape à 50. Oh, un dodo. Ouais, bon, allez, vous savez quoi, je prends ce pari. Regarde, hop, ça te dégage. Oui. T'es sorti de la forêt ou tu continues de pex là actuellement? Je suis dans la... Enfin, je suis allé dans la ville d'après, j'ai passé le blabla et je suis reparti pex. On récupérera 1 à 3 HP. Mais non. Bad, il a trouvé le Pikang. Mais... Objet tenir blesse le porteur à chaque tour. Peut s'accrocher aux ennemis et attaque le porteur. Mais c'est nul à chier. La moitié des dégâts sont convertis en PV pour le lanceur. Ah oui, remarque, ça fait 20 dégâts. Merde, j'avais pas vu. Bah c'est pas grave, vous savez quoi? Ce sera la petite attaque de merde que je vais utiliser pour capturer des Pokémon. Voilà. Quelle bonne idée ça! 20 dégâts! Ça va, on prend pas beaucoup de risques. Hein. Ouais, c'est pour ça que je dis quelle bonne idée! Hein, voilà, vous voyez, finalement, il y a une bonne idée derrière tout ça. Voilà. C'est l'ancien FF. Putain. Mais FF vous-même, allez-vous FF tout seul en fait? Tiens, paf, implore. Il a utilisé quoi? La merde, visiblement. Paf, hop, ça dégage. Je te vole rien? T'avais rien sur toi? Sale nul! Sale nul, il a dit. Ah, mais attends, il avait. Ah merde! Ça se trouve, mon boss carré, il a un objet sur lui. Oui, il a un objet. Zut, crotte de bique. C'est pour ça qu'il en a pas piqué. Flûte de zut. Flûte de zut. Tiens, regarde, vampirisme. Regarde, PF. Hop. Oh, bah zut, ça a tué un level 2. C'est ballot. Ah, et là, il y a la zone... Là, il y a une zone, là. Une zone? Ok. Objet, prendre. Ah oui, c'est cette zone-là. Ah oui, super, c'est la zone vous avez remis la scuba ball. C'est la deuxième scuba ball que je gratte, hein. Y'a des dresseurs là avant la zone. Tu veux te battre toi là? Reviens! Reviens Jackie! Et du coup Crachin c'est quoi? C'est Kyogre? Bah Crachin ça peut être n'importe qui. N'importe quel Pokémon haut en fait. Il a un ok le bordel. Ok. N'empêche à chaque fois que je vais croiser un Arceus je vais pouvoir gratter une Scuba Ball, c'est cool ça. J'avoue. L'économie. Bah grave. Comme ça quand on va tomber sur des Pokémon haut, bah let's go. Comment ça l'Irresprit? Ta sœur? Dis donc ça. Dégage, dis donc. Va-t'en de là maintenant. Encore un Boscara. Hein. Kyogre, Tarpo ou Bikipan? Ah non, il a une B. Ah oui, c'est vrai que j'avais ça sur Bikipan. Oh, j'ai piqué. J'ai encore piqué un module.
Attendez, j'hallucine ou j'ai encore piqué un module à quoi? Ah bah du coup j'ai ramassé aussi le. Oui. Et du coup, ça se revend les modules pour Genesect? Je sais pas, une bonne idée, une bonne question. Parce que si les modules à quoi ça se revend, je vais les farmer. PF, niveau 14. Bravo. T'as piqué un objet là? Piqué un objet là? Non? Mascouba Ball? C'était un Arceus? Elle est où Mascouba Ball? Bah ouais, Un clone de Shigeru, il minet? l'a fait. Il a fait Oui, moi Mascouba Ball? Shigeru, le bordel. Match punch. Ah d'accord, ok. Hop là. Oh, sable doux? C'est ça que je viens de lui piquer? Un C'est sable pas l'objet doux. à tenir qui augmente les attaques sol ou je sais pas quoi là? Ça augmente la précision. Ça baisse la précision de l'adversaire. Vous a remis le sable doux. Revends le piquant, gros. Oui, je vais revendre le piquant qui sert à rien. Sable doux, objet à tenir, du sable fin et soyeux qui augmente la puissance des capacités de type sol. Donc c'est ça. Ah, j'ai confondu avec un autre truc alors. Probablement. Mais le principal, c'est qu'on s'y retrouve. Vendre. Avalanche. Vendons le piquant. Pour 100 balles. Paf! Vendons le lot du destin pour 100 balles. Paf! Achetons des Il y a môles. R. Toi, je peux te combattre? Oui, viens me voir là. Je te pète la gueule. Oh, un team à quoi? Un team à quoi avec un chaffreux? Restons zen. Bonjour la petite là, tu veux te battre? Oh, fais chier. Venez vous battre, j'ai besoin de thunes pour acheter des Pokéballs! J'ai piqué un truc au chaffreux. 202 d'XP. Oh, Nice. fais chier. Merci. La démocite, Est-ce que c'est j'ai. toi qui l'as eu, pas Guy. Oui, mais moi je pense que Guy elle a eu un autre truc. Tu veux te battre toi? Voulez-vous? Ouais, je t'ai une potion si tu veux. Il y a bien un truc? J'avais signé du cul? C'est tout? C'est tout? Genre juste c'est tout, ok. Mais j'ai bien piqué un truc au. Ah putain, Au enfin quelqu'un bougle. qui veut se battre. Il est pas sur ton poké? Non? Draco. Il vient de m'envoyer Draco. On va envoyer Refab, hein. Bleu. Bah, je sais pas. On a bien vu le cadeau. Il y avait un cadeau qui est revenu vers moi d'un objet que je lui ai volé. Mais Disparu! Affûtage. Bon, je me casse. Je vais à gauche de la forêt. Ah, je rencontre. Ah, le Navidex, oui, blablabla. Oh! Ok. Regarde la Michelle, quoi. Oh, waouh, des papillons. Waouh, dans le père. Let's go, let's go. T'as pas lancé l'attaque de 4 oiseaux. Et t'as pas Ah lancé l'attaque de oui, 4 l'attaque de oiseaux. 4 oiseaux, c'est cadeau, bah oui, c'est ça. Des baies au rang. Je sais pas. Oh, bah, du coup, la merde. Pêcha. J'aimerais bien savoir si on peut caper les FPS du bazar là. Émulation, outils, émulation, pause, stop, redémarrer, état d'enregistrement, sauvegarde, configuré. Configuré. M'a donné des Web, thunes, j'ai débogage. acheté des balls. Système vidéo. Ah, vidéo. Définition interne, native, 400 par 240. Ah, on peut changer la définition. Position de l'écran par défaut, sa mère, son contrôle système. Système, la merde. Allez, j'achète 5 balls, j'en ai 16. Je sais pas. J'espère ne pas perdre mon talent en évoluant. Web. Pense pas, hein. Débogage. Interface. On verra. J'ai sauvegardé ou pas? Fuck. Ok. Bon, moi je suis paré pour la prochaine zone. Je sais pas où je suis. Moi je suis. Ah, faut que t'avances. Bon, c'est à la ville juste à gauche. Une potion. Nice. Si tu affiches ta team au lieu de la Navimap sur l'écran du bas, tu penses qu'on peut voir direct si je porte un objet ou pas? Je peux afficher ma team? Je peux pas afficher ma team en bas. Je suis à Clémentiville. Ouais, tu vas avoir du blabla et tout ça. Ok. Sauvegarde peut-être, mais je l'ai fait tout à l'heure. Je l'ai fait il y a littéralement 2 minutes. Si ça vous titille tant que ça. Allez, je l'ai fait. Ah, il me dit minuit 42, mais c'était. Hein? Non, pas du tout. Ouais, d'accord, bon, bah, voilà. On va le faire. Ah, blabla. Tu t'es bien débrouillé, petit. Ah, très bien.
On attend Salut Monsieur Oum. Monsieur... Son équipe prend forme. Ouais, j'ai moins un Pokémon. Oui. Par route 4. Timmy. Route 4, on ah, Timmy. Ah oui, j'avais oublié ce compte. Timmy. Ce compte Timmy. C'est de Timmy. Hein. La route 2, ouais. Sans Timmy reçoit un Zigzaton. Timmy reçoit des Pokéballs. Pour aller capturer son Tarsal. Hein. Bâtard. Oh, oh. Ouais, ou Tarsal. Ouais. T'as pas encore pris des Pokémon de zone de la route 104, je crois. Non, non, j'ai pas pris. J'attends que Guy finisse Bravo blabla avec Timmy. J'aurais bien eu le seum s'il avait eu Shiny ce trou de balle. Hein. Timmy a amélioré le Poké multi-navi. Maintenant utiliser le navi fun. Si y a un légendaire, c'est give up. Hein. C'est never give up. Hein. Ah, c'est FF, hein. Clairement. Bon, évidemment, rejoindre MMO ne lit pas les dialogues. Hein. Oui, bah oui. Hop, voilà. On va attendre que Guy fasse tous les dresseurs et puis achète des balls. Où ça? Dresseur où? À gauche. Gauche. En sortant de la ville, du coup, route 104? Ouais, ouais, sort de la ville et puis tu descends, t'as quelques dresseurs sur la playa. Je crois qu'il y en a deux. Ah mais c'est cette zone. Ah oui d'accord. Toi tu veux pas me battre? Tu veux pas t'attaquer toi? Je vais te péter la gueule moi. Et les oiseaux là? Non? Et toi? Ah toi tu veux te battre. Bagarre. Ah bonjour madame. Raymond le Pokéfan. Raymond. Ah. Raymond. Ah c'est Raymond dans l'occurrence. Trioxydre. Ah Raymond. Gros Raymond hein. Ah c'est du Raymond de compétition ça. Hein. Putain la vache. Paf tiens. Si un légendaire, c'est forme d'XP. Oui, alors. Changer pour petit art. Eh ben, je change pas. Je vais me chercher un coca, moi, pendant que Guy fait les. Péter la questions. Gueule. Il a la trouille, il peut pas attaquer. Bah, chais. Tiens. Je peux copier l'attaque trouille aussi, non? Non, dommage. J'ai gagné 112 balles. Merci. Y a pas d'objet, mais putain. Va être crevé. Quoi cette histoire? Je vois l'animation que comme quoi il pique un item. Il y a R dans mon inventaire et sur le Pokémon. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Au secours. Jean? La mère? Jour vivant, jour debout, salut. Oui, la mère déchaînée, oui, super, super. Salut? Non, tu t'en fous, toi? Bonjour? Voulez-vous lui donner une potion? Oui, allez, tiens, prends une potion. Maintenant, donne ton argent. Merde, dommage. Oh, il y avait un Pokémon, il s'est caché, je viens de le voir. Oh! Le voir, il a fait disparu! Bah, dommage. Tant pis. On remet le plaid de l'hiver. Ah, j'ai battu. Je crois que j'ai fait le tour des gonzes sur la plage là. Quand tu remontes et que tu passes à côté de la maison, tu peux aller vers les autres herbes du haut et il y a une gonze qui a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent? Chouette. Oui. Si tu l'as bas, elle va te donner beaucoup d'argent, elle va te donner 1000 Pokédolls. Oh bien. Ah, c'est toi là? Toi je te pète la tronche. Et fais attention, j'ai beaucoup d'argent. Très bien. Tristan, la base secrète. Tu m'envoies un chaffreux. Bonjour Kaori. Level 9. OMG. Tu reviens moi, je suis maman. Lui qui va dans les herbes tranquille, j'espère qu'il est au courant que c'est une nouvelle zone. J'ai pas été dans les herbes, de quoi vous me parlez? Je sais pas, ça dit que t'as des dans herbes. Alors, je suis paralysé, là je risque d'avoir un problème rapido. T'as coupé les herbes. Ah bon? Bah dommage. Je suis paralysé et confus, je vais pas m'énerver. Tiens, ça me rappelle quelque chose ça. Ah, je ne suis plus confus, mais du coup paralysé. NSM, j'en ai plein cul, je change, oxy, au secours. On va remettre. Petit choc mental. Bah, dans ton huc. On va remettre mental, notre tiens. Petit Warren devant pour qu'il échouille ardemment les Pokémon pour les capturer. Mais meurs toute ta vie, fumier! Il arrête son Pokémon, le teint de connard! Je pense que Guy est en détresse. Meurs!
Meurs, bordel, meurs, meurs d'affreuse souffrance, meurs. Voilà. Ah, t'as le chat, il est lacéré de partout, il trouve encore moyen de le soigner, quoi. T'as le chat, je lui ai coupé les quatre pattes, il les recolle à la super glue, quoi. Non, mais. 1000 balles, 1080 balles. Merci beaucoup, Idriss, pour ton resub. 45e mois. Ouais. Ça fait monter le. Ça fait monter les points d'XP. Pour le hype challenge. Hop. Tac, 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 tac. Ok. C'est bon, je suis retourné route 104. Manifestement, c'est mes collègues féminines que je peux capturer avec des léchouilles. Ah, c'est, fais ce que tu veux, Electro. Et ben, qu'est-ce qu'il a, Boscara ? T'es ma Boscara. Et ben, quoi ? Regarde, Boscara. Bah, quoi ? C'était pour voir s'il avait un item sur lui. Qu'est-ce qu'il a, Boscara ? Il a R. T'as acheté des Pokéballs ? On dit s'il te plaît, non ? Je sais pas. Oh. Bah, t'as acheté des Pokéballs, Guy. Il me reste quoi, là ? J'ai combien d'argent ? J'ai 2600 balles. Donc, ouais, je peux acheter 10 Pokéballs pour avoir une Honor Ball. J'ai vu garde voirite. Hé hein. Ah, ça y est. Il avait pris une gemme au cat, au chat, mais il a rien pris. J'ai rien. Comme Pokémon de zone, j'ai une Moyade. Ouais. Je suis tout cœur avec vous, hein, mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh, ça se vend 500 balles un module à quoi. D'accord. J'en vends un. Guy, hein, on va attendre Guy. On va voir ce qu'il a comme Pokémon de zone. Hein, en espérant qu'il a un Pokémon de merde. Comme ça, on peut skip. Ah, c'est peut-être que ça marche pas sur les Pokémon de dresseur. Ah, peut-être, peut-être, peut-être. Effectivement. Les chouilles, ça a bien marché sur. Sur Galifeu. Donc, je vois pas pourquoi ce serait pas aussi bien sur Moyade. Il est pareil, même un niveau de plus. Ah, parce que pourtant, je pique bien des trucs aux Pokémon dressés. Mais les objets ne sont ni sur mon Pokémon, ni dans mon inventaire. Oh, bizarre ça. Bon. Alors, t'as quoi comme Pokémon de zone ? Je sais pas. T'as déjà le tien ? Ouais, c'est de la merde. Ah, let's go. Eh ben, voyons voir. J'ai un Tengalis. Oh, c'est bien ce que t'as. Bon. C'est plante combat, Tengalis, je crois. Ouais. Je plante une léchouille. Je plante une léchouille. Franchement, toutes les phrases. Oh ! Allô ? Incroyable ! Aïe aïe aïe. Ah oui mais attends mais l'alerte elle marche plus, mes alertes sont encore mortes. Est-ce que tu les as mises? Oh, oui je les ai mises. Hein, certains elles sont là, hein, je les ai sous les yeux. Oh il brûle. Putain. Oh il brûle sa abruti congénitale. Encore un truc qui déconne. Aïe aïe aïe, terrible. Merci Sturi. Désolé. T'accueilles pas comme il faut ici là. Putain mais c'est quoi cette chaîne? Oh putain de merde. Mais arrête de gueuler toi mon dieu. Ouais quoi, allô? Incroyable. Mais il brûle. Merci Sturie pour le raid, bienvenue à toi et tes 132 specs, salutations. Salut, bien le bonsoir, salut Feed, LJR, salut Titix, salut Ask Amazing, Ask Amazing, bien le bonsoir. Bienvenue les raiders, bienvenue les raiders, bienvenue le raider et les raider. Répète pour voir. Merde. La paix. Voilà, foutez-moi la paix, au secours. Bienvenue donc sur cette run du pif, qui pour l'instant n'a pas encore été sabordée, malgré le deuxième stream. Enfin sabordée soit par mon binôme, soit par OBS. Ça m'en est bien. Pourquoi moi toujours ? On est sur. Pourquoi toi toujours ? Est-ce que on a besoin de rappeler comment se sont passés les 3 ou 4 dernières runs ? Allô ? Les 4 derniers jeux ? Hein ? Bien, très bien. On est sur un Nuzlocke Randomizer sur Pokémon Ruby Alpha. Mais avec une particularité, donc une run qui est en link également avec nos propres Pokémon. C'est-à-dire que moi de mon côté, j'ai ces Pokémon-là. Kuro du sien a les mêmes qui sont linkés au mien. Si jamais j'en perds un, elle perd le sien. Et inversement. C'est un bazar, et jusque-là on arrive plutôt bien à s'en sortir sur Ruby Omega, mais les précédentes versions on s'est fait littéralement jinx par des calls de fous furieux. Et là pour le coup, on arrive à avancer, on arrive au moins à constituer une team et à les garder en vie, on a perdu personne pour l'instant, ce qui est vraiment un exploit. Hein. Parce qu'à ce stade-là des derniers jeux, il y avait bien longtemps qu'on était en mode FF. Hein.
T'as pas mis Boscara sur l'overlay. Ah, je sais que ça, c'est comme les streams, les titres de stream, les catégories de jeux. Si jamais c'est pas correct, ça va vous trigger pendant un moment, mais t'as dit Ruby Alpha. Ruby Omega. Oh, ça va, c'est bon! Vous allez me faire chier à chaque fois que je vais avoir la langue qui va fourcher! Bon, j'ai capturé le Moyade. Ah, tu l'as pris finalement? Bah écoute, t'as un Tengalis, c'est bien, donc Ah, mais j'étais prêt à faire ce sacrifice parce que le tien te convenait pas, hein. Ah non, non, mais Tengalis, c'est bien, garde, prends, prends. Mais comment tu veux que je capture ça? Oh, j'ai eu du bol avec Boscara, mais faudrait peut-être pas chercher la merde deux fois de suite quand même. Bah, t'as Vampigraine ou Vive truc là, machin là. Ouais, vive le vent d'hiver, ouais, ouais, voilà. Vive le vent d'hiver là! Ok, ok, ça va, c'est bon, allez, vampirisme. Vampirisme, vampirisme du cul, et paf, tiens, est-ce que je l'ai? Hop, et il est mort, voilà, bravo. Ah, c'est super efficace. Ah, GG le call de vampirisme. Dommage, c'est con! GG le call de vampirisme. Je sais pas moi, je sais que vampirisme ça pue la merde, alors je sais pas moi. Ah, moi j'ai eu des calls en vocal vampirisme, j'ai eu des calls dans le chat vampirisme, donc je lance vampirisme et il se passe quoi? Bah Dej, voilà, finito. Oh, okay. C'est pas grave, écoutez, alors moi il y avait alors moi c'était je rajoute une couche, je tombe sur un autre Tengalis, je lance vampirisme, il survit. Ouais, mais t'es niveau 9 celui-là. Let's go. Et l'autre il était niveau combien? J'ai pas fait gaffe. 4, je crois, un truc comme ça. Ah oui, mais attends, mais pourquoi il y a un... Ah, Rexilius. Ah, c'est dommage, ça, par contre. Mais pourquoi il était level 9, l'autre idiot, là? Le Rexilius, il est level 2. Ouais. Bon, sinon, moi, le Pokémon, il avait Machination, Échange, Pistolero, Miroir, Tir, et il avait Light Metal en truc. C'est plus, ça pue la merde. Mais, OMG. What the fuck is that? Bon, bref. Bon, bisous, Pokémon, c'est pas grave. Pardon, le turbo brasier de Reshiram. Oui, bon, c'est des détails, ça, vous accordez trop d'importance aux détails. Super Geek va prendre hâte. Alors, ça, c'est hors de question, crois-moi bien. Ouais, merci, au revoir. En fait, c'est que j'ai envie de le garder en lead de l'équipe, parce que si jamais il peut taxer des objets, genre j'affronte un Pokémon dessus, sur lui, il y a une Master Ball, OMG. Hein. Mais par contre, je pense que... Ouais, on a une autre zone après, hein. La zone de la forêt. La forêt? Ouais, du bois Clémenti. Par contre, j'ai eu une quoi? J'ai eu une orbe flamme. Par contre, il pexe de fou ce cochon là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une orbe bizarre brûlant son porteur durant le combat, mais c'est plus la merde. Orbe flamme, il y avait des strats où c'était intéressant de l'avoir, maintenant je sais pas trop ce que ça vaut dans cette génération. Ouais, non mais c'est bon, il y a assez de trucs qui nous butent. Oui, c'est vrai que sans forcément parler de ça, mais turbo brasier. Bon, perf. Je suis dans les bois. Ah, je lui ai volé une baie, ouais, super ravi quoi. Ah, on a changé les talents, j'ai turbo brasier. D'accord, le... Putain, le Boscara turbo... Oula. Alors, t'as intérêt à avoir un bon poké dans les bois parce que j'ai un Junko. Ah, d'accord. Bon, alors je fais demi-tour, je vais me heal, je reviens. Mais capture le Rexy sans le vouloir. Non. Legit la game, legit. Je peux l'échouer, il est en vrai, il est niveau 9. Bon, voyons voir. T'as continué par où en fait? T'as continué sur la gauche? Il a sacrifice. En haut? Le long de la maison, c'est ça? T'as pris le chemin le long de la petite cabane là? Ouais. Là où il y a la meuf qui donne d'accord. Et on peut pas la redéfoncer elle? Non. Non, non. Dommage, on peut pas le buter en boucle. Je vais être ce Junko, le long de Junko, ce sera Mikasé. Je reconnais cette forêt, c'est Zelda 3 Link to the Past. J'ai la ref. J'ai la ref moi aussi. Un anti-para. Let's go. Je me balade pour l'instant sans toucher du carré d'herbe. Qui c'est celui-là? Rien ici. Un Pokémon appelé Balignon dans le coin? Non, non. J'ai failli faire une dinguerie. J'ai failli faire une dinguerie sans faire exprès. Concentre-toi, Kourou. Qu'est-ce que tu me prends la tête avec ton Pokémon nul? Ah, baston. Sbire, le triathlète. Putain, mais les randomisations, c'est terrible. Hein. Il m'envoie un champignon. Et bah, le champignon, je vais le. Tiens. Il utilise Babil. Mon bat les couilles. Hop là! Ça dégage. Hop, bonne nuit. Hop là, Super Geek level 18. MRC. Il peut pas refaire ça. J'ai battu le triathlète. Et 400 balles. Achète des Pokéballs. Mais j'en ai déjà acheté tout à l'heure. Mais putain, mais l'argent pousse pas sur les murs. Sur les murs. Merde. Bon, ça merde, pousse pas merde, sur les murs non plus merde. En soi. C'est pas des plantes grimpantes, voilà. Multi-ex. Go. Merci. Alors attends.
Il suffit de l'activer et tous les Pokémon de ton équipe peuvent profiter de l'expérience récoltée en combat. Let's go! Allez, parfait, parfait. Alors, parfait, parfait, j'ai, parfait. J'ai une question. Sacrifice, il y a combien de PP? Sacrifice? Aucune ouais, idée. L'attaque sacrifice? Ouais, bah pour le chat aussi, peu importe. D'accord, 10. Elle est disparue. Non, c'est clair. Non, je vais balancer éclair. Genre, c'est écrase-face, c'est moins fort que éclair. Écrase-face, c'est moins fort que éclair. Non, c'est pareil. C'est pareil. J'ai un Filali! J'ai un Filali! Oh putain. Oh putain. Oh putain! C'est pareil, mais Refab il est quoi? Il est spé ou il est. Il est plus spé qu'attaque. Donc. Donc écrase-face c'est mieux. Alors. De précision sacrifice. Ouais, mais en fait le truc c'est que j'ai peur que si il fait sacrifice, parce que ça lui pèse ses points de vie sacrifice. Alors, je relance une boule. Parce que là, il fait Babil, mais il a fait deux sacrifices et. Oui, bon, ok. Voilà. Il fait sacrifice et. Et en plus, j'ai peau dure, donc. On va faire ça comme ça. Hein. Il dit à Kuro que c'est un quart des dégâts provoqués. Je te transmets le message. Oui, j'ai entendu. Oh ouais, j'ai bien fait de pas faire éclair ou écrase-face ou mon sbire. Il est capturé! Le switch. Ouf. Alors, Oxy. Tu ne crites pas, par pitié. Oula. Oh non. Oh non, pas maintenant. J'ai eu un petit délai OBS qui, en général, précède un crash. Je te vois toujours, en tout cas. J'ai deux starters de 3G. Alors, théoriquement, pour l'instant, j'ai pas encore officiellement Junko. Hein. Ce point. Oh. On va pouvoir attaquer un peu, hein. Crit pas, bordel. C'est une connerie. Quoi? Il m'a envoyé une merde qui m'a paralysé, au secours. Bah, il a fait éclair, quoi. Non, frotte frimousse. Ah, frotte frimousse. Enculard. Enculard. On va regarder... Ah non, on va déjà regarder l'objet que possède de Mikaze. Elle a elle santé. C'est quoi, ce truc? Objet à utiliser sur un Pokémon qui augmente un peu ses PV de base. On va le mettre sur Bad. J'ai Filali. Yes. Yes, officiel. Alors, mon Junko. Il a moins vitesse, plus attaque spé. Ok. Il a Heavy Metal, double le poids du Pokémon. Je pense que ça ne sert à rien. Il a Babil, l'échouille, attrition, sacrifice. Bon, c'est pas fou les attaques, mais... Et pas pour les attaques, effectivement. C'est un Filali Morle. Il a donc des graines et une tige. Alors. Nul, vitesse, Junko. Quoi? Allô? Comment ça? Quoi? Pas la ref. Alors. Ouais, c'est ça. Ça se passe beaucoup trop bien, j'avoue. Là, on va se prendre une dinguerie. Il va forcément se passer un truc. On file à lui, il a épine de fer, blesse l'attaquant au moindre contact. Oh, c'est bien ça. Il a frotte frimousse, râle mal, pic-pic et poursuite. Et il est up en vitesse et down en défense physique. Frotte frimousse, 20 dégâts, précision 100, le lanceur attaque en frottant ses balvous chargés d'électricité, paralyse d'ennemis. Donc c'est de la paralysie à coup sûr. Oh, toi, tu vas être bien pour capturer, toi, je sens. Oh, tu vas être bien, toi.
Le Ralmal, donc qui diminue attaque et attaque spé. Pic pic, donc 35 de dégâts avec 100 de précision, frappe l'ennemi avec pointu, mes couilles, tout ça en physique. Et on a poursuite, 40 de damage, 100 de précision, une attaque qui inflige deux fois plus de dégâts à un ennemi qui s'apprête à être remplacé. Oh, le truc ultra sérieux. Il a une pierre éclat. Non mais ça sert à rien du coup là. Oh, bebe, objet, prendre. Une baie, ouais, super, ouais, trop bien. Objet, prendre. Il m'a donné la pierre éclat. Oh, me jeu. Il est où le multi-ex, il est plus haut? Ouais, c'est un bug qu'il a sur la droite de la forêt, quasiment au début. De toute façon, ça va déclencher un combat contre un sbire à la zeub là. Ah oui d'accord, c'est qu'en fait le Fidali, je l'ai eu parce que tu sais j'y étais tout tranquille dans les herbes quand il y avait des Pokémon en nombre. Ouais. Et du coup bah c'était lui que j'ai eu. J'ai réussi en trigger 1 comme ça. Oh, et là je viens de le faire une seconde fois. Et bah du coup ça m'a relancé encore un Fidali. Bah GG qui. Bah GG, gros GG. Alors Fidali à Junko là, oh là là. Putain mais il m'a refilé une pierre éclat encore. J'ai deux pierres éclat. Un prispillon, qu'est-ce que j'en ai. Ça commence à bien se mettre. J'aime bien cette run, j'aime bien la gueule que commence à avoir. Donc ce qui renforce encore plus mon sentiment qu'on va se prendre une dingue dans pas long. Les pierres égale la thune. La thune. Surtout qu'elles sont farmables sur les Fidali, donc je chasse du Fidali dans la forêt et puis on se fait des pierres. Un chenipote, hein. Le dresseur m'envoie un chenipote. Yeah. Alors par contre du coup le multi-exp, là c'est le multi-exp d'équipe, du coup tout le monde pex, quel que soit ce qui se passe sur le reste quoi. Ouais, un petit para, c'est cool ça. Ah, il est là le Scienti Fox. Ok. C'est bien ça. C'est quoi le taux d'XP qui est adressé au... Tous les chenilles me hantent. Aux autres Pokémon du coup. Ah, il se planque derrière nous, le scientifique. Ah ouais, d'accord. Oui, tel un lâche. Courage, fuyon. Et 50%. Pas mal. Il m'envoie un capoeira. Pas mal. Nul. Mais il va marcher, ce truc de merde. On se croit. C'est 50% des chiffres affichés de mémoire. Eh, c'est pas mal ça. Attention, je vais me coucher, j'ai cours à 9h. Salut, des bisous. Et bien, bon courage, Lotus Prada. Bon courage pour ta journée et ta semaine, de manière mais générale. Le capoeira. La bise. Et à bientôt. Donc, ça, c'est good. Et là, on a chopé un Fidali. Fidali, c'est quel gène déjà? C'est pas genre assez tard dans les gènes, ça, Fidali? Si, mais je me souviens plus. Si, c'est bon. Quatrième, visiblement. Ouais. Bon, ça fait deux Pokémon plantes, donc ce serait bien que ça devienne pas une habitude bulldo, hein, de me refourguer des Pokémon plantes. Le bulldo là est... Papillon danse, mais c'est quoi ce bordel de capoeira? Il a toutes les augmentations du jeu, toi. Ce bordel de capoeira. Oulala, oulala. Il a fait très mal. Dis-moi, où est-ce qu'il t'a touché le vilain Pokémon? Alors là, le truc, c'est que je sais pas si je suis plus rapide. Hein. Et ça m'étonnerait fort que je sois plus rapide. Hein. Ok, let's go. Alors, merde. Zut, de flûte. Donc, je retrace par là-haut. On retourne dans la forêt. On va refaire le tour. Ça. Bonjour. Non. Merde, c'est pas la bonne touche. Si tu essaies de prendre le Pokémon de quelqu'un d'autre, c'est du vol. Bah ça tombe bien, on peut pas voler en soi. Oui, bah dit les combats. Du coup, ma Washigeri, ça va pas le taper fort. T'as un souci? Ouais. En fait, j'ai un Capoeira qui s'est full boost, qui est full résistant. Il a que dalle d'HP, mais le truc c'est qu'il me fait très mal du coup et qu'il doit sûrement être plus rapide que moi. Mais il fait Mawashigiri, et Mawashigiri, vu que c'est combat, je pense que si j'envoie Bad qui est feu combat,
Il va le tanker puisqu'il est full life en plus. Donc ouais, je pense que Bat c'est le meilleur choix. J'ai Oxy qui va prendre balle brume. 5 de PP, 70 de puissance, 100 de précision. Une bulle de brume inflige des dégâts à l'ennemi, peut aussi réduire son attaque spéciale. Ok. Du balle ombre au début. Ah, balle ombre, ça je connais bien, mais là, balle brume, je connaissais pas. Qu'est-ce qu'on en pense de balle brume? C'est Oketia ou pas? Ah, c'est une attaque de Latias! Let's go! Phytomixeur. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Ah merci Bad, hein, en tout cas, le meilleur. Piqûre c'est sur 20, feuille magique c'est sur 20, mais je crois que feuille magique ça n'échoue pas. Alors Après, le multi, il Oxy. faut l'activer. Attends, est-ce que je peux vérifier? Ah et voilà, c'est physique. Physique 60. Si ce dernier tient une baie, le lanceur la dévore et obtient son effet. Ah, c'est pratique ça. Onde vide. C'est une spé Ok, prio. ouais, il est déjà activé. Tu peux retirer Vive Attack comme ta Fidali, qui est ton captureur. C'est un aéroblast, le coup, par contre, 100%, on rêve toujours. Ouais, mais à la limite, peut-être virer onde vide, parce que Oxy est plus physique que spé. Et là, j'ai une attaque prio combat spé, versus une attaque prio combat physique. Certes, de type normal. À la limite, je peux virer onde vide. Quitte à remplacer une spé par une autre, au moins j'aurai un truc qui va cogner un peu fort, Mais il quoi. m'a soigné le scientifique man. Oui, moi il soigne après le multi-exp, ouais. Ah, ça me semble pas être un mauvais move, ça. Après, feuille magique, c'est quoi le bail? Ah oui, c'est que ça n'échoue jamais. Bas de C'est corps du va spé, mais... prendre coquille d'âme. Oh, je prends. Mon poké. Mon Galifeu, il a balle glace, coquille d'âme, point éclair, nitro charge. C'est bon? Ça a l'air de bien se passer. C'est bon la couverture d'attaque ou... RNG acceptable. Oh, il y avait un petit tard dans les hautes herbes. Il est mignon. Avec un... Oh, petit tard crachin. Adorable. Meurs, connard. Comment ça? Quoi? Oui, je préfère, oui. Pas d'objet. Comment ça, pas d'objet? Oh. Comment ça, le petit tard, zéro objet? Un Kunotor, ah, let's go. Heureusement qu'on n'est pas tombé là-dessus au début de la zone. Hein. Je prends Je crois les que je m'en baies. rue assez mauvaise. Oh, Konotor, meilleur poké! OMG. Et sur le Kyonotor, j'ai quoi comme objet que je viens de lui prendre? Une faible au bol. Il y a quand même un signe. Hein. Moi, je trouve que c'est drôlement révélateur. Hein. Alors d'ailleurs, en parlant d'objets, non, bah d'arrêt ramasser. Eh merde, bordel. Odon, le Bonjour! kinésiste, m'envoie un gros tas de merde. Très bien. Ouais, je m'intéresse aux baies, donne des baies. Ah mais non, 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 poison contre plante, il va me ruiner le fion. Il va me ruiner le yonf. Oxy? Lire esprit. Ouais, bah, t'as raison, fais ça, ouais, Ah ouais, le c'est bien, c'est bien. mérosoir. Tiens. On dépêcha. Pouh! Hop, ça dégage. Tu peux avoir la zone au-dessus. Ouais, je sais, la zone elle est au-dessus. Ouais, je sais, vous inquiétez pas, je sais. Je prends d'abord les baies dans le truc, dans le bousin là. Ah oui, non, il était déjà enregistré mon multi-exp. Ah, j'ai eu peur. Écho. Mais enfin, 9-19, ça va, panique pas. Oui, mais bon, un crit. Ouais, Un crit panique pas, ouais. Ouais, panique pas. sur un mauvais effet. Dites-moi, vous avez suivi les précédentes runs ou pas du tout? C'est la même zone, normalement, on va voir ça, bois Clémentie, et là c'est route 104. Non, c'est la même zone, c'est la même zone. Mikasa a raison, donc je peux aller ici sans souci pour aller choper ce qu'il y a dans les trous. Attends, c'est bien ce que je crois, ça? Ça a été randomisé, les objets par terre? Un cris d'acier. Objet à tenir, une paire de lunettes épaisses augmentant un peu la puissance des attaques spéciales. Ah, c'est lunettes sages. MDR? Bah, trop bien. Oh, c'est fort. Bah, j'ai Oxy qui espère. Ah, mais non, mais Oxy elle tient sa gemme. Ouais, mais Oxy elle peut pas s'en servir pour l'instant. J'ai qui espère là-dedans? Résumer. Non, pas toi. Connard. Oh, encore un cris d'acier. C'était vraiment J'ai des herbes aucun de merde, Pokémon. hein. J'ai aucun Pokémon spé. MDR. Ça sera pour le prochain.
ils sont tous sur du physique. C'est 10%. Ouais, mais c'est toujours 10% de dégâts en plus. Ouais, c'est mieux que rien. Allez, moi je vous avoue que encore une fois, je savoure chaque victoire, même les petites. Hein. Un objet qui me donne plus 10% d'aggro sur mes attaques spé, je prends. Et je boude pas mon plaisir. Le Spobo Gogo qui a aura féerique. Dans ta mère. Hop. Une faible ball. Badcore level 16. Rafale Psy, le Spobo Gogo. Ah ouais. Je prends. Merci. Ouais, oh, il y avait un gros pelin dans les hautes herbes. On va peut-être tout de suite enlever Badin. OMG. Oh, ce goupelin du pif. Le goupelin, il est sexy, hein. Ah, il régale fort le goupelin quand même. Hein. Il est feu psy, je crois, le goupelin, non? Oui. Vas-y, je lui mets une petite écrase. Oh, il a utilisé guérison, vas-y, c'est triché ça. Mais non, mais putain, feu psy, j'ai quoi, j'ai une taxi, connard. Greyfab, il est en train de tuer à petit feu le Smogogo avec peau dure, c'est très drôle. Ah bon, ça pex. T'es sorti de la forêt ou pas du tout? Ouais, je suis allé au-dessus, je suis en train de tuer les pokés là. En train de tuer les pokés, très bien, je suis pas sûr que la péta applaudisse, même si c'est du virtuel, hein, mais ok. Hein. Badcore niveau 17, Warren niveau 13, oh le multi-ex, c'est tellement bien. Oh yaïe. Je viens de piquer un module cryo. Encore ? C'est un module à quoi que j'avais jusque là. Le petit crachin à quoi jette, c'est random ? Oui, c'est random, hein, c'est full random. Hein. Salut Fatilosaur ! C'est quoi la suite du Let's Play de Lords of the Fallen ? Eh ben, de manière très rigolote, on en parlait il y a 10 minutes littéralement. Oh, peut-être un peu plus. Ouais, peut-être bref, un peu plus. On en parlait il y a peu. On en parlait. En se disant que ouais, ce serait bien, ouais. D'ailleurs, j'ai l'épisode 5 à vous sortir, j'ai toujours pas proposé à YouTube. Promis, ça arrive fort. Oh, tiens, dans ta mère. Terra Voltage de Solarock. Ah ouais, d'accord, Coquillam. Du coup, j'ai pris Chouchoudil pour commencer Violet. Chouchoudil. Ah oui, Violet, putain, je suis en train de me dire quoi ? Oui, oui. Carlette, Violette. Oh putain. La génération qui a évidemment eu le plus de succès de tous les jeux Pokémon modernes. C'est faux. Oh là là, le multi-ex, c'est tellement... Ah, oh, c'est goûtu. Spatio Rift, il a... Vole lui. Je peux pas lui voler. Il a Spatio Rift. Delcati, Spatio Rift. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Delcati. Spatio Rift, c'est un Delcati. Ah oui, quand même, c'est... Oui, c'est... Ouais, c'est pas trop ouais. Un module cryo. Donc, module égale thune. On apprécie. Ouais, il y a eu un gros lag sur le... Il y a eu un gros lag sur le Spatio Rift. Mais je sauvegarde très souvent. C'était pour éviter de me prendre une dingouze, surtout. Comment ça ? Tatami ? Mais ta sœur ? Tiens. Tatami, oh. Ta sœur ? Tatami, ta sœur ? Qu'est-ce qu'il m'envoie ? Au secours. Tiens, dégage. Non mais où ? T'inquiète, Réfab. Mon ordi, il crache pas, moi. Hein. Je vais mal le prendre. Ah, c'était pour lui aussi. Ah ! Oh, le goupelin, again. Oh, le goupelin level 4. Ouais, bon, allez. Perf. Je te vole aucun item. T'as envie de crever. Mais me dis si je me trompe pas. Sale connasse. Exactement. Exactement, c'est bien pour Genesect. On avait, je crois que c'était sur ce jeu-là qu'on avait un Genesect en début de run. Non, c'était le jeu d'avant, il me semble. C'était le jeu d'avant. Oh, dommage. Et que tu m'avais dit. Il y a un Genesect et puis j'ai trouvé une plaque. Ouais, il y avait un bail comme ça, ouais. Je viens de prendre une speedball sur un goupelin. Moi je. Mais la speedball, c'est pas ce qu'il faut lancer en early du combat pour garantir une meilleure chance de. Si. Une meilleure chance de capture. Si si je crois. Ou non, c'est rapid ball. Il y a rapid ball et speedball, et il y en a une c'est pour les Pokémon rapides et l'autre c'est pour lancer au début du combat. Speedball c'est pour les Pokémon rapides. D'accord, ok, moi ouais, j'ai confondu. Après vérifie hein, parce que. Une Bepalma, super. Comme. Brian, be like. Je carotte des baies à des vieilles. Oh putain. Écoute, c'est littéral ce que j'ai fait. Hein. Carotte des baies à des vieilles. Crachant du petit art. C'est rapid ball pour les débuts de combat. Ah, c'est la rapid ball, d'accord. Yaza va prendre double d'art. Parce qu'un seul, t'en avais pas assez. Bon, très bien. Oh, Mikaze va prendre choc psy. Ah, bien sûr que je vais apprendre choc psy.
à la place de Babil. Rien à foutre de Babil. Ça, ça... Que... Double dard, ça peut empoisonner. Oh, excellent. À la place de sacrifice. Oh, sacrifice, ça pue la merde. Vas-y, c'est bon. Le multi-exp est activé. Oui, bien sûr. Oui. Un coupe-note. Tout à fait qu'il est activé. Coupe-note, c'est je quoi très bien. Ouais, tiens, allez, hop. Pourquoi j'ai pas fait. C'était dragon, coupe-note. Je vais suivre mon instinct. Pic-pic. Je sors de là. Bas de glace. Voilà. Tyrannie dure. On va enlever Bad, hein. Il a perdu des points de vie. J'aime pas ça. On va envoyer le gros Akaisei. Ah, j'ai obtenu la CT49 Echo. Eh oh, eh oh. Ah non, c'est pas... Excuse-moi. Eh mais attends, il y a une zone, là. Non, on l'a déjà fait. C'est la même que tout à l'heure. Comment ça, c'est la même que tout à l'heure? C'est la route 104. C'est là où il y avait Tantangalis. Superbe. Bon, je loot mes belles, je vais recevoir des. Vous allez voir à quel point le jeu va être beaucoup plus facile avec le multi-ex. Oh, elle veut quoi l'autre là? Elle va me raconter sa life. On est sûr que c'est la même zone là, je suis route 104, mais je tombe sur un Amagara level 12, j'ai vraiment pas envie de m'énerver. Hein. Ouais, ouais, c'est la même zone, Guy, malheureusement. Moi j'avais un crise-acier, hein, si ça peut te rassurer. Pas du tout. Écrase face, ouais, nul. Non, ça va, y a pas trop de blabla. Grimace, nul. C'est bon, j'étais heal là. Oui. Oh, bah, il a un objet. Nul. Paf, dans ta mère, nul. Hyper potion. D'accord, niveau 10. Badcore va prendre pied brûleur. Oui. Je rappelle que Badcore c'est mon vigorote. Hein. Oui. Oui, c'est validé. La barre a validé. Il y a encore que des Pokéball ici. Après, j'ai combien de balles? J'en ai 10. Je suis à la ville. Qu'est-ce que je lui enlève à Badcore pour mettre son pied brûleur là? Je sais pas, qu'est-ce qu'il a? Il a bulle de boule, rayon gemme, tête de fer, choc psy. C'est compliqué. Moi je trouvais du zinx. Il est physique. Ouais, il est physique effectivement. Pied brûleur c'est physique. Après on a rayon gemme et choc psy qui normalement sont spé, c'est ça? Ouais, tête de fer qui est physique et bulle de boule qui est physique aussi. Et là, c'est une. Après, là, j'ai, là, j'ai deux attaques à 80 SP sur un Pokémon physique. Pika, t'as randomisé les objets au sol? Ah, là, subitement, on me dit rayon gemme, rayon gemme, rayon gemme, enlève rayon gemme. Ah! Alors pourquoi subitement je devrais enlever rayon gemme? Parce que là, tout le monde me disait bulle de boule jusque-là, maintenant rayon gemme. Ah oui, inflige des dégâts physiques. Ah, d'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. N'en dites pas plus, j'ai compris. C'est un Pokémon humanoïde, ouais. Alors, Pika, il est parti dormir. Hein. Oxy va prendre sacrifice. Parce que je trouve ça bizarre, les objets qu'on trouve par terre, ils ont pas l'air super randomisés, en fait. Spoiler, elle apprendra pas sacrifice. Non, non, mais tu... Non, non, tu ne... Non, tu ne... T'es... Oui, elle apprendra pas. Je suis désolé, Oxy, mais tu n'apprendras pas ça. Tu n'auras pas le tuto pour te sacrifier. Orbe feu, ouais, je vendrai après. On va attendre Guy pour la zone. J'arrive fort. Hein. Ouh, vas-y, hein, tranquille. Hein. Moi, je reviens. Comment ça, berceuse? Comment ça, berceuse? J'ai envie de canner. Je me casse. Attaque plus. Super, super. Ça prend un booster à la con. Précision 80, ça pue. Oui, c'est pour ça que je l'ai viré. Est-ce que vous avez le droit de capturer des Pokémon légendaires? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Si on tombe dessus, on a le droit de les capturer, oui. Enfin, on a le droit d'essayer de les capturer. Apprends berceuse sur lui, non, pour capture. Tu veux que je fasse comment? Il m'endort. Il m'endort. Le principe, c'est que je puisse pouvoir me réveiller derrière. Mais vu qu'il m'endort, comment tu veux? C'est compliqué. Le but, c'est que, en fait, il utilise sa...
Merde. Je vais te changer. Oh zut. Zut de flûte de crotte de bique. Dors profondément. Réveille-toi du con. Réveille-toi du con. Putain, j'ai pas un truc qui lui permet de se réveiller là. Au secours. Pas du tout. C'est quoi ça? Ça sert à quoi ce truc? Parce qu'elle est tenue par un Pokémon. Envie de Canax. Soin statut. Antipara, Pêcha. Ah, c'est quoi ça? L'empoisonnement. Non. Cerise. De Groupama. Non, toujours pas. Cerise? Groupama? Putain, j'ai envie de creuser. Réveille-toi du con! Ah voilà. Ah, c'est efficace. Bla, 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 bla. Comment ça? Super Geek va prendre Éclair Croix. Mais il a pété son. Mais. C'est pas une attaque d'un légendaire de ouf? À base de Raikou ou quelque chose comme ça, Éclair Croix? Non, non, non. Mais c'est bien. Oh, je suis persuadé que c'est une attaque d'un légendaire, ça me parle. Ah, on me dit que c'est l'attaque de signature de Zekrom. Oh, bah c'est pas Raikou. Zekrom mieux que Raikou, c'est faux. Oh, c'est faux. Team Chat ici. Est-ce qu'on garde Gribouille? Bah Gribouille, en vrai, ça peut m'apprendre un truc assez fou en fait. Hein. Oh, il y a un Darumaru. Après, je peux prévoir de virer Vampirisme. J'ai mon Philali hein, que j'ai pas Pex, hein, qui reste bas level hein, et qui a le truc qui paralyse à coup sûr. Ouais, après, oublie pas que. Multi-ex. Oui, certes, mais il a quelques niveaux de retard. Enlève l'âme d'air, l'âme d'air, l'âme d'air. Pourquoi l'âme d'air? C'est bien l'âme d'air. Pourquoi spécialement l'âme d'air? Oh, il y avait un Armaldo dans cette. Oh, vas-y. 75. Ah oui, c'est parce que c'est spé et que le Pokémon est physique. Oui, d'accord. Puis est physique. Petit sol, il a le bordel. Hein. Ah, mais c'est que vol. Vol sur les Pokémon de combat. Les Pokémon insectes. Fuck. Pokémon plante. C'est quoi Gribouille? Gribouille, en fait, c'est une attaque que je vais utiliser une seule fois et qui va copier la dernière attaque que j'aurai encaissée. Donc, c'est plutôt cool. Après, c'est avec Éclair Croix, ça va être l'attaque ultime à balancer en cas de pépin, quoi. Parce que c'est sans de dégâts, sans de précision. Hein. C'est inratable. Ouais, j'ai pas l'impression que les objets sont randomisés par terre. Après, mon pyrisme, c'était un peu de la survivabilité. Vampirisme, mais sérieux, ça sert à rien. Ça sert à rien, je viens de me soigner dessus. Dites pas que ça sert à rien. Bon, après, c'est Wixos, évidemment. Si à un moment donné, je peux avoir une giga sans sub, un truc dans le genre, oui, forcément, ça sera plus intéressant, mais. Jamais n'enlèvera un plan, les gens, soyons logiques. Mais non, je vais pas l'enlever, c'est mon attaque de farming. Je peux récupérer des objets sur les Pokémon. Bon, écoutez, vous savez quoi? J'enlève l'âme d'air. Je vais enlever la seule attaque non physique que j'ai sur moi. Je ne change pas. Et il m'envoie un Fouinard. Je vais l'exploser. Mais alors, ça daronne son éclair. Ah, regarde. Pef. Allez, ça dégage. J'aurais pas dû. Eh non. Est-ce que j'ai dit que tu n'enlèveras pas? Mais exactement. Je reçois une poudre énergie. Très bien. On est parfaitement d'accord avec cet état de fait. Je ne retirerai pas. T'as reçu cette... une poudre énergie? Ouais. Peut-être en merde. Aïe. C'est qui les deux premiers? Secours, Scorvol. Super Geek et Kyugawa. Ah Wenga Onani, je n'y vais pas. Alors. Parlons bien, parlons peu, parlons pneus, mais parlons au secours. Scorvol, type, s'il vous plaît, j'ai oublié. Bon, écoute, Pika, c'est pas grave. Sol, vol. Mais alors, du coup, Éclair Croix, comment ça se passe sur lui?
Bah ça se passe pas. Hein? J'ai un Bah doute. sol c'est immunisé donc Ah, mais les sols volent. Ah oui, mais sol c'est une unité donc Non, implore. Non, on a vu que implore ne marchait pas sur les Pokémon de dresseur. Ça marche que sur les Pokémon sauvages. Zéro effet, ça marche pas sur les Pokémon sol. Nique sa mère. Et ben du coup je vais faire un petit implore ouais bah quand même hein. On va faire un implore quand même. On va faire un implore sur sur Squirtle du fion là. Et puis petit Griffacier de Seymour sur la veillette là. Allez, hop. Paf, tiens dans ta mère. Comment ça je lui pique une masse Allô? Attends, Comment? ça va vite là, j'ai pas le temps de comprendre ce qui se passe au secours. Allô? Une masse ball ou une master ball? Master Ball je crois. Attends, Pokémon. Résumé. Il tient une Master Ball, il tient une Master Ball, il tient une Master Ball, il tient une Master Ball. Tout va bien. Il tient une Master Ball. Il tient une Master Ball. Comment je récupère cette Master Ball? Parce que je vais la perdre après le combat. On l'a vu jusque-là, je la perds après le combat. Hein. Comment je récupère l'objet? Comment je fais pour récupérer l'objet? Je suis pas qu'il y ait des gens au combat. Oui. Oui, ça je suis d'accord. Tu peux pas. Ouais, voyons, on peut pas faire de changement d'objet en combat. Putain de portée de bite! Bon, trop le. Finis-moi ce canard! Qu'est-ce que c'est ça? Mais arrête d'avoir la trouille! Du gland! Attaque! Oh, ça se passe mal! Oh, ça se passe mal! Ça se passe mal! Ça se passe mal. Ça se passe pas bien. Au me jeu, ça se passe pas bien. C'était la zone où t'as eu le zinc? Le zinc, c'était juste avant la zone. Rayon lune, c'est sur lui-même ou il peut soigner un mate avec? Je crois route 104, ouais. Sur lui-même, merde. Bon, faut s'en débarrasser d'un des deux rapidement là. Bref. Ah voilà, super efficace. Ah, miam miam. Hop, voilà, moins un, ça dégage. Secours. Moi JXP, du coup, en attendant Guy, hein, qui est en galère. C'est quoi son rayon j'aime de merde lui. Tiens. Fumiax. Non, il a survécu. Putain, il a survécu, il reste un HP, merde! Vampirisme. Encore. Attaque. Mais vas-y, encore. Attaque. Pif, paf! Ça a l'air de bien se passer chez Guy, hein. Je sais pas, C'est bon, j'ai gagné. J'ai win. Combat du haut, c'est Imour. C'est quoi cette force nature? C'est Écosphère ici? Ok. Nas! Je suis Poisoned. Putain, il a pas gardé la Master Ball, merde! De merde. Guy en souffrance. De merde. Putain, la Master Ball quoi. Terrible. Dans la spécialiste des Pokémon. Oh, j'ai pas soigné mon Pokémon. Il envoie un peu la rhume. Quoi? Comment ça un peu la rhume? Comment ça mon ref un peu la rhume? Meurs. 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 Meurs dans d'atroces souffrances. Violence. Fais gaffe, c'est un Pokémon Tiens. glace. Bah je lui ai pété le cul. Voilà. Ok. Hop. Il a pris un éclair croix. Un canard tichot, il va prendre le même tarif. Bonjour le canard artichaut, au revoir le canard artichaut. Hop, pif, paf, hop, bonne nuit. Alors, rien, faire le malin là? Fais le malin? Fais le malin? Je crois là, qu'il a craqué, dans ta mère. Je crois que ça y est. Ouais, c'est... changer de Pokémon, ouais, j'en vois aussi là parce que là ça commence à se voir. Je vais me prendre une dinguerie à un moment donné, je vais faire la gueule. Fabek? Oui, vive attaque, fait magie, piqûre. Tiens, tu sais quoi, juste pour le fun, tiens, hop, prends la boule, attrape la boule, mange la boule. Et meurs par la boule. J'ai battu Stéphane le scout. Bah, chais! Crachin de Kabuto.
Le zinc n'est pas dans la liste des objets droppables dans la route 4. Ok, donc c'est bien random. C'est juste qu'on tombe sur des trucs de merde. Mange la boule, je reviens sur ça. Ok, ok. Bienvenue, enfin, re-Audrice. Bienvenue. Tantin cruel. Bah, Phytomixer. Hein. Mais non, mais putain, mais pas 50 à la suite du con. Il a tranché herbe. Oh le bâtard. Après, oui, c'est vrai que c'est bien vu là ce que vous dites là. Parce que du coup, étant donné que la Master Ball était sur Scorvol, si jamais je recroise un Scorvol sauvage, bah, possiblement il a une Master Ball sur lui, quoi. Ouais. Possiblement. Merci pour la baie. Super, 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 je m'en fous. Mikazé veut apprendre suis... paresse. Ah bah, yes. Jamais Rouville. La vie du poisson. Sont bien, sont de bien belles boules. Comment elles vont vos boules, monsieur Nris? Belle boule ici. On a bien belle boule ici, un bel obito. Un bel obito. Un bel obito. Bon, je t'attends pour la zone, faire... du coup. Et tu peux faire mal infini. Oui, mais il faut déjà que je croise un Scorvol sauvage. Ça, c'est pas encore gagné. Et que le Scorvol sauvage ne lui fasse pas des dingueries. Rien ne me dit que le Scorvol est réellement dans le moveset, dans le poolset du jeu, quoi. Dans la vie réelle. Achète des boules, Achète des boules. Des belles boules. Ouais. Belles ouais. boules. Ouais, belle boule. Belle boule. Le lanceur frappe l'ennemi à gros coup d'os. Peut aussi l'apeurer. Quoi? Un grand coup d'os? Là, c'était écho. Qu'est-ce que j'ai mal compris, là? Hein? Ouais, on est d'accord qu'il y a un truc caché dans la colle, là. Si Guy pouvait sauvegarder régulièrement, ça serait utile pour ses bugs. Il sauvegarde assez souvent. Hein, comme... Ce que je viens de faire, il y a littéralement 30 secondes. Tu peux montrer ta team vite fait, please? Oui, bien sûr, je peux montrer ma team vite fait. Elle est affichée juste là, hein, mais je te la montre aussi en bas de l'écran si tu veux, Driss. Il faut m'énerver. Je vais pas m'énerver, je te jure, je vais pas m'énerver. Oh putain. Et s'il y a des rediffusions sur YouTube? Non, en fait, il n'y a, pas les rediffs, malheureusement. Il n'y a pas les noms. Comment ça, tu connais pas les... Ah, tu voulais... Tu veux... T'as, parce que tu voulais les noms des Poké, d'accord. Combien j'ai de Pokéball? Oh, une Super Ball sur Bad. Oh, nice. T'es mort avec Phytomixer, j'ai en tête la musique japonaise Get Down Yeru Yeru. Oh, ça sort les refs obscurs. Alors, j'ai 25 Pokéball, 3 Honor Ball, 2 Scuba Ball et... 2 faible ball. Moi, je viens de choper une super ball sur mon bas de corps. Et ça, c'est très appréciable. Ah, d'ailleurs, on va changer, on va déplacer, on va mettre Warren le léchouilleur. Warren le léchouilleur, très bien. Putain. Des objets Pokémon colorés. Bien. Elle était loin à l'époque où on se contentait de fouiller les poubelles. Je fais des Romac anglaises, je connais plus les noms français. C'est faux. Fais pas genre, Driss. Tu n'es pas encore dans la team, Driss. Je n'ai pas trouvé un Pokémon trop cheaté à te mettre dessus. Genre un Mewtwo. On a flemme de faire les baraques, là. C'est genre un Dracolos. L'école des dresseurs Pokémon. Guy, je t'attends. Ouais, et tu fais ça très bien. Quel bâtard. J'ai reçu une vive griffe. J'ai 20 Pokéballs, 2 Honor Balls et une Super Ball. Belle team Noomstein. Oui, j'ai. Une griffe légère mais tranchante qui permet parfois de frapper en premier. On a eu pas mal, hein. Du coup, Shiggy aussi. Hein. Mais t'es parti par où dans le bail là? Monte en haut. Et du coup, on fait aucune arène genre dans les villes? Bah si, là tu vois, il y a une arène, t'es juste devant. Et Mais moi j'en ai fait aucune jusque là. Oui, c'est normal. Et va à droite après. Tu montes et tu vas à droite. Derrière l'arène. Je vais tout en haut dans l'herbe? Route 115, tout en haut de la ville. Non après, avant. La route 115, on peut pas y aller. D'accord. Donc je monte l'arène et droite, donc je suis la route. Et là, j'arrive route 116. Ouais. Et là, il y a des herbes. Et des herbes. Des herbes. Des herbes. Des herbes. Larsin inflige des dégâts et retire l'objet de l'acier pour l'offrir au lanceur si ce dernier n'a pas d'objet attaché. Larsin ne peut pas voler une lettre. Si un Pokémon sauvage utilise Larsin sur un Pokémon du joueur, l'objet de celui-ci n'est pas volé. Larsin ne peut pas voler l'objet d'un Pokémon si ce dernier possède le talon glu. Si un adversaire vole l'objet d'un Pokémon du joueur, cet objet est restitué à la fin du combat. Larsin ne peut pas voler l'objet d'un Pokémon possédant la capacité spéciale multi-type. L'orbe platinée ne peut être volée. De la 5ème génération, Larsin ne vole pas l'objet du Pokémon d'un PNJ de façon permanente. Raflesia. Et implore, c'est quoi le bail? Implore inflige des dégâts et vole l'objet de la cible pour le donner au lanceur si celui-ci ne tient déjà pas un objet. Implore ne peut pas voler une lettre, une plaque chez un Pokémon possédant le talent multitype ou l'orbe platiné.
Lorsque la cible tient un objet, l'animation de la capacité est légèrement accélérée. Un Pokémon sauvage utilisant un plan ne peut en aucun cas voler d'objet. Si un Pokémon du joueur perd son objet à cause de cette capacité, il lui est rendu à la fin du combat. Un plan ne vole pas l'objet d'un PNJ de façon permanente. D'où le fait que je ne peux pas garder, comme on l'avait supposé dès le départ, les objets des Pokémon dressés. Isoké, okay, merci pour cet éclaircissement. Ça va être très très long là. T'as lancé ton Pokémon de zone du coup ? Non, je suis tombé sur un dresseur. Il a un putain de... Une grosse merde qui a appel soin. Donc il fait que se soigner. En vrai, j'hésite à utiliser Yaza pour balancer un bon frotte frimousse des familles, mais j'ai peur qu'il se fasse poutred. On va prendre pause ici, mais c'est nul. Crofeu. Ah, Kassa, il va prendre Crofeu, oui. Crofeu Ou une potion. Maurice. Maurice, t'as pourquoi Balek. Nice potion. Oh. Ou pas. Il veut m'envoyer ou pas dans la gueule, là. Mon Pokémon de zone, c'est un marisson. Encore un Pokémon plante. Ça commence à se voir. Hein. Ça encore un starter ça me rappelle une run où j'étais full Pokémon flotte. Ouais. Encore un starter, bah, encore un Pokémon... On la repousse. Ok, alors moi dans la zone j'ai un Tauros. Il a Gobou pour Kourou. Ah non, ouais. Quand même. Un Tauros. Ah bah je crois que Guy a crash. Comment ça affecte pas Tauros sauvage les chouilles? Ah parce que c'est spectre. Ça a bien tenu, il est minuit 38 hein. Heureusement qu'il a sauvegardé il y a pas longtemps hein. Non, j'avais oublié que les chouilles c'était spectre. Dans ma tête, les chouilles, c'est normal. Mais arrête de me donner des baffes. Est-ce que si je fais flamèche en vrai? Il a vampirisme. Oh, flamèche, c'est ok, tiens. Dans ma tête, les chouilles, c'est normal. Oh, arrêtez de déformer mes mots! Bonsoir, Geek! Il veut pas rentrer, ce fils d'eux, là! Tu vas arrêter de me cogner dessus par contre, hein, mon copain. Pour toi les chouilles, c'est normal, ça me choque pas. Ah. Oh mais vas-y, rentre là. Tauros, ça fait un bon driss en vrai. Et putain. On va essayer l'Honor Ball. Il invite Sangui. Ouais, hein, mais je crois qu'il est en train de tout casser chez lui. Oh, il fait vampirisme. Tombe bien, tu vas te reprendre un flamèche dans la tronche.
Y a un bâillement dans la tronche. C'est bien Driss, même en dormant, il se laisse pas faire. Merci Irel pour le follow. Mais ouais, ouais, c'est bien Driss, ouais. Vas-y, tu dors, t'as plus de points de vie. Rentre dans ta boule, Driss! Merci! Guy, en ce moment, Cunard! Oh, Warren va prendre que poison. Oh, ça, c'est bien, ça. Allez, bisous, force cosmique. Drissu... Ça va pas rentrer. Si ça rentre. Coupu. Bon. Bah, faudra attendre que Guy revienne pour me dire s'il a bien cap. Enfin, si ça se passe, hein. Après, heureusement, on a sauvegardé très 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 souvent. Le Drissu coupu a un objet sur lui. Il a une bémirte. Voyons, le résumé du Drissu coupu. Il a pression, force l'ennemi à dépenser plus de PP. Oh, ça c'est pas mal ça. Par contre, il a moins attaque, plus def. Oh. J'aurais préféré qu'il ait moins attaque ST. C'est chiant. Cogne, attrition, voile miroir, vampirisme. Je suis un tank! Comme toute ma team, quoi.